J'écoute le morning de Difool dans toute la France. C'est là qu'ils pensent. C'est le morning de Difool sur Skyrock. Ils sont prêts à tout. Premier sur son réveil. Et bonjour, il est 6h du matin sur Skyrock. Bienvenue sur Sky, bienvenue et bonne semaine. On est lundi aujourd'hui, ben oui, je pense que vous le savez, mais on vous le rappelle, on sait jamais. Si vous réveillez la tête dans le cul, ça peut arriver. Bienvenue avec nous et puis bienvenue dans le grand morning, le morning de la radio que vous préférez. Et j'espère que c'est la radio que vous préférez, car vous allez pouvoir gagner 1 500 € dès 6h30 tout à l'heure. Et on voulait faire un bonjour particulier à une auditrice de Skyrock qui a dû passer un super super week-end. C'est Audrey. Audrey qu'on a récompensé vendredi. Elle s'est inscrite au 720-20, elle a gagné 12 000 balles. Vous imaginez, hein. Ah, elle est bien Audrey, ouais. Audrey, je sais pas ce qu'elle a fait ce week-end. Audrey, on prendra peut-être des nouvelles d'ici 9h15 tout à l'heure. Mais elle a gagné son chèque de 12 000 €. Et ça fait bien plaisir. Enfin, surtout à Audrey, mais à nous aussi, parce qu'on aime bien vous faire plaisir tous les matins. Ça fait plaisir de faire plaisir. Bon, merci Sam. Et bonjour c'est Sam. Bien le bonjour. C'est bien bonjour ça. Guigui. Bonjour. Bonjour Théo. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis en train de chercher Rémi, mais je ne sais pas où il est. Peut-être est-il bloqué dans l'ascenseur. Est-ce que tu as regardé sous la table? Peut-être qu'il est sous la table aussi. Est-ce que tu as regardé dans le frigo? C'est possible, il soit dans le frigo. Ou aux toilettes. Dans la cuisine, ou aux toilettes. Bon, on va retrouver, j'espère, Rémi d'ici quelques instants. Et puis, vous tous et vous toutes, quand vous voulez. Hein, vous avez les numéros pour nous joindre. Le 06 86 101 101. C'est le WhatsApp audio du morning. Si vous avez si vous avez un truc à nous dire, si vous voulez faire les cons avec nous, si vous voulez réagir au morning et gagner votre PS5, vous envoyez vos messages. En plus, on aime bien vous écouter dès le lundi matin. Nous faites un petit débrief de votre week-end, par exemple. Allez-y, 06 86 101 101. Ah, bah, le voilà, Rémi. Ah, il débarque. Il était dans le frigo, le cochon. C'est l'heure des infos. L'appli Skyrock, le 41759. Allez-y, faites-nous signe. On fait des bisous à Cariole qui sera pas là ce matin parce qu'elle a un petit truc de fille. Ah bah, bisous Cariole. Pas la même bisous, chose que l'autre jour, mais un petit truc de fille quand bon, même. Bon, j'espère que ça va aller. Et bon puis, courage. Et puis là, c'est parti, Rémi. On va faire notre point sur la météo. On l'attendait avec impatience. Bah, le voici, ouais. Le voilà. La météo, je parlerai du réveil de star de ce matin dans un instant. La météo pour ce lundi 7 février. Eh ben, il y a du mieux côté météo et ça, c'est une bonne nouvelle. On a une perturbation, c'est vrai, ce matin, qui se promène des Alpes à la Bourgogne-Franche-Comté. On la retrouvera un peu plus tard entre l'Aquitaine et Midi-Pyrénées. Partout ailleurs, eh bien, ce sera agréable. On peut avoir quelques nuages, voire même un petit peu de pluie ce matin, notamment sur la Bretagne, mais ce sera de l'histoire ancienne cet après-midi. Le soleil s'imposera sur les deux tiers du pays. On aura du vent tout de même, hein, près de la Méditerranée. Les températures ce matin, on a 2 degrés à Lille, 5 à Lyon et à Paris, 8 à Marseille. Cet après-midi, il fera 7 dans la Loire, 7 également sur le territoire de Belfort, 8 sur les Ardennes, 9 en Alsace, 10 près des frontières du Nord sur le Massif Central ou encore en région parisienne, 11 si vous êtes sur la vallée du Rhône ou la Normandie, 12 pour la Haute-Garonne, 13 en Bretagne sur la côte basque, 14 pour le bassin Aquitain, entre 16 et 18 près de la Méditerranée. La pollution, ça reste moyen, les indices entre 3 et 5. Et l'actu là tout de suite, l'actu le sport. Et si les maths revenaient faire un petit tour là en première et en terminale, Jean-Michel Blanquer le dit lui-même, c'est un sujet très sérieux et il est ouvert à toute proposition. Avec la nouvelle réforme du bac, les maths ne sont plus obligatoires à partir de la première et peuvent être suivis comme spécialité. Le problème, c'est que les enseignants pointent un niveau qui serait de plus en plus bas, pour ne pas dire inquiétant. Finalement, il y a de moins en moins de lycéens qui choisissent de s'orienter vers les filières matheuses. Le ministre de l'Éducation pourrait donc rajouter la matière dans le tronc commun. Quel protocole pour le Covid dans les écoles? On en saura peut-être un peu plus demain. Une réunion est prévue entre les syndicats et les ministères de la Santé et de l'Éducation. Les règles pourraient être assoupli au retour des vacances de la première zone. Parmi les pistes privilégiées, la levée du port du masque en primaire ainsi que l'adaptation de la politique de dépistage. On peut aussi s'attendre à un allègement des contraintes concernant les pratiques sportives. 40 minutes de conversation téléphonique pour se coordonner. Emmanuel Macron et Joe Biden se sont parlé hier soir alors que le président a rendez-vous aujourd'hui avec Vladimir Poutine. Déplacement en Russie avec comme objectif d'obtenir une désescalade des tensions avec l'Ukraine. Il s'y rendra d'ailleurs demain en Ukraine pour s'entretenir avec son homologue Zelensky. 100 000 soldats russes sont massés à la frontière. Certains observateurs craignent une opération militaire massive. L'affaire Orpea qui semble faire tache d'huile. Une avocate annonce qu'elle va lancer une nouvelle procédure collective qui vise cette fois-ci Korian. Il s'agit du premier groupe privé français de maisons de retraite. L'avocate aurait recueilli des dizaines de témoignages accablants de familles de résidents. L'ensemble des plaintes sera déposé en avril prochain. Et du sport, parce qu'il y a eu plein de sport ce week-end.
week-end. C'est vrai, allez, on va commencer par la Ligue 1, la 23e journée, c'est la suite et la fin, hein, ça y est, avec cette victoire assez large du Paris Saint-Germain, 5 buts à 1 contre Lille, et d'ailleurs Kylian Mbappé qui a fait quelques petites révélations à l'issue de cette rencontre, il dit ne pas encore avoir pris de décision sur son avenir. Rennes s'impose 2-0 contre Brest, même score de Lorient contre Lens. Reims, victoire de Reims 5-0 contre Bordeaux, 0-0 entre Troyes et Metz. Clermont s'impose 1-0 contre Nice, victoire de Strasbourg sur le même score face à Nantes. Et puis, je l'ai dit, hein, Paris Saint-Germain largement vainqueur de Lille et en tête de ce classement devant Marseille qui reste dauphin donc à l'issue de cette journée de Ligue 1. Et puis Nice, la Cannes. Oh, hier c'était la fête dans certaines villes de France. Bah oui, le Sénégal qui a soulevé sa première coupe face à l'Égypte. Il aura fallu aller jusqu'au tir au but. Bravo donc aux Lions du Sénégal qui s'imposent et qui gagnent leur première coupe des nations. Et puis les JO de Pékin, Tessa Worley sur le géant à suivre aujourd'hui. 7e de la première manche, la française. Bon, l'or olympique semble difficile à atteindre, mais une médaille reste possible. Eh bien, on lui souhaite bonne chance. Bon courage sur la neige artificielle. Ouais. C'est vrai que c'est pas facile de skier. Ouais, ils se cassent la gueule, les stars du ski, là, ouais. Ils se cassent la gueule, les stars du ski. Ouais. Ah bah, c'est bien la peine. C'est pas habitué, tout ça. C'est bien la peine d'aller se faire chier à Pékin, tiens. Bon, allez, les bleus quand même. Merci, merci Rémi. Vous avez suivi la CAN hier, Guigui, t'as suivi ça avec des poteaux. Ouais, j'ai suivi de ouf. Ouais. Est-ce qu'il y avait des Sénégalais? Il y avait un Sénégalais, un Égyptien, donc c'était un peu la guerre entre les deux. Ah, c'était la guerre. Mais c'est cool, c'est bien fini. Ouais. Première CAN pour le Sénégal. Ah c'est ouais, c'est lourd. Ouais, c'est bien, ouais. Bon, bah bravo les Sénégalais, vous avez peut-être fait la fête. Pouvez nous raconter, vous me dites ce que vous avez fait ce week-end, allez-y. N'hésitez pas, vous avez la parole tous les matins dans le morning. Vous allez gagner votre PS5 tout à l'heure, on va écouter du gros son. On a Angèle et Damso qu'on va écouter tout à l'heure. On écoutera Gayle et Radio Boy, du Lil Nas X. Et puis, bah tiens, on va démarrer avec Swedish House Mafia et The Weeknd. Oui. Je vous annonce que pour le réveil de Star, c'est celui qui sera en avril dans tournée dans toute la France. À partir d'avril prochain, c'est Nino qui va déclarer sa flamme aux familles parce qu'on veut un peu d'amour ce matin et même beaucoup d'amour avec le Sex Report 2022 qui est sorti. Vous savez, c'est l'étude sexuelle sur les envies des Français, sur les désirs secrets des Français. Oh, ah, c'est bien ça. Sur les positions préférées des Français. Vous savez, ça sort. C'est bien à savoir. Tous les ans. Et on va s'en occuper. Vous avez profité ce week-end pour faire du sexe? Un petit peu. Oh, ah ouais. C'est dégoûtant. Promis, on n'en reparlera pas. Voilà une bonne nouvelle. C'était la partie mensuelle. C'était comment ça va, ta partie mensuelle? On s'est arrêté d'un coup parce qu'en fait, je me suis exposé le genou. Donc Voilà. Une bonne nouvelle. Voilà une bonne nouvelle. Super. Ça veut dire qu'il n'a pas grand chose à nous raconter là-dessus ce matin. Eh ben, ça fait plaisir. Bon, merci pour les messages que vous nous envoyez, hein. Ceux qui ont dormi le week-end comme Mathieu, à ceux qui ont travaillé le week-end comme Choupa, on te fait un gros bisou, ma Choupa. On salue Trotzer, on salue Jules du 02. Celui qui salue tous les auditeurs de Skyrock, c'est Morgane. Mathieu qui nous dit qu'il fait 7 degrés à Lyon ce matin. Eh bien, bon réveil. Et puis, c'est parti. Du gros son avant Nino. C'est Swedish House Mafia. Oh, il a réussi à le dire. Il a réussi à le dire. À 6h07 du matin, faut y aller. C'est pas mal, bravo, bravo. Moth the Flames tout de suite sur Skyrock. T'écoutes le Morning de Default sur Skyrock. Premier sur ton réveil. Moth the Flames sur Skyrock, c'était Swedish House Mafia. Attention. Voici maintenant les résultats du Sex Report 2022. On en parle tôt ce matin avant que les enfants soient réveillés. On va tout vous dire sur la vie sexuelle des Français, les préférences des Français en 2022. Eh bien, ça n'a pas trop changé par rapport à 2021. Le truc important, c'est que les Français ont fait plus l'amour cette année que l'année dernière. Ah, j'avais pas, ah, ouais, intéressant. Oui, les Français sont... Je suis pas concerné de ouf, moi, personnellement. Alors, Guigui, je voulais en savoir plus sur ton année 2021, parce que c'est un Sex Report qui concerne l'année 2021. Alors, j'ai pris une année sabbatique. Ah, il y en a peut-être qui en rêvent de l'année sabbatique, mais Guigui l'a prise. Donc. Ouais, ça fait d'ailleurs quelques années que je prends les années sabbatiques. Oui. Ça commence à être un peu long d'ailleurs. Ouais. Faudrait que je me remette au boulot là. Bon, les Français font l'amour 2,5 fois par semaine en moyenne quand tu es couple. Ah, ouais, c'est beaucoup ça, putain. C'est beaucoup. Enfin, c'est beaucoup. Ah, c'est pas beaucoup. En soi, c'est pas énorme. Enfin, pour Guigui, c'est énorme. Guigui, moi, tu me dis ça, je vais, ah ouais, quand même, c'est pas mal, ouais. 2,5 fois par semaine, ça veut dire que tu le fais plus de 100 fois par an, Guigui. Oh putain, mon Dieu. Ah, t'as pris du retard, hein. Ah, j'ai pris beaucoup de retard. Il va falloir se rattraper, hein. Mais beaucoup de retard, même. 2,5 fois par semaine, Sam. Ouais. Non, bon, ok. Non, ça veut dire non. J'aurais dit une fois par semaine, ouais. Une fois, ça c'est plus, ah ouais, une fois par semaine, ouais. Elle est bien gentille, les, encore. Ah, mais tu sais, les horaires, on a. Elle on a pas envie, les horaires, je peux la comprendre. Ça lui suffit amplement, vous savez. Heureusement qu'il y a les horaires décalés, c'est bien. Elle travaille dans le médical, tout ça, c'est bien les horaires décalés, hein. Donc c'est galère, ouais. Voilà, on salue les infirmiers et les infirmières qui nous écoutent ce matin, ceux qui sont dans le médical. Voilà, vous avez une bonne excuse pour faire l'amour moins que prévu, hein. Ça peut vous servir. Ça peut être pas mal. C'est l'excuse de la copine de Sam qu'on embrasse très très fort. Tu as du courage. Ça, c'est quand t'as... Bravo à toi. Et Théo, alors Théo, c'est le show de l'équipe. Ah, alors Théo, ouais, ça dépend, 6 fois par semaine. Voilà.
Et voilà, on a du chaud. Hein. Et Karim BG. Moi, actuellement, zéro. D'accord, toi aussi. Ah, pas mal, mais comme sinon, moi. Genre, quand je suis en couple, c'est ouais, même plusieurs fois par jour. Hein, ça peut aller deux fois par jour. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'allais vous donner mes résultats personnels. Je suis limite un pornographe. Je fais beaucoup, beaucoup monter la moyenne. Hein. Je suis à beaucoup plus de 5 fois par semaine. Mais toi, c'est plusieurs meufs par jour, dis fou. Exactement, aussi, pour faire plaisir à tout le monde, parce que je suis très, très, très généreux. On salue ceux qui ont passé des week-ends en amoureux. Il y a Moula Wid, lui, il a passé un petit week-end en amoureux à Saint-Malo, face à la mer. C'est beau. Bisous à toi, on t'embrasse. Un petit week-end en amoureux, tu ne nous en dis pas plus. Vous pouvez rentrer dans les détails, vous pouvez nous dire. Hein, 41759, skyrock.fm et 06 86 101 101 d'ailleurs. On voulait vous demander, quand vous n'avez pas envie, hein, qu'est-ce que vous utilisez comme excuse? C'est quoi vos excuses? Vous nous dites, alors on a la méthode de la copine de Sam, c'est. Les horaires. On a des horaires un peu décalés, mon chéri. Je suis fatigué. Ouais. Tu vois, je peux pas être. Toi, j'ai pas envie en même temps que toi, c'est dommage, hein, parce que j'avais très envie de toi quand tu dormais tout à l'heure. C'était très mignon. Tu sais que des fois, elle est vraiment fatiguée, hein. C'est pas qu'une excuse, hein. Mais bien sûr, Sam, évidemment. Bah oui, bah oui. Je pense que c'est même tout le temps, elle est jamais fatiguée. Bah merci. Elle est tout le temps fatiguée. Oui, c'est ça. C'est ça que je veux dire. Bah elle travaille dur, hein. Ah bah ouais. Exactement. Bon, on en saura un petit peu plus dans un instant sur ce Sex Report 2022. Vous nous faites un petit bilan de votre week-end, nous laissez vos messages. 06 86 101 101. Et donc, les excuses que vous utilisez pour ne pas faire l'amour. Allez-y, on vous attend en direct et on en reparle, bah on en reparle avec vous dans le morning. Et dans le morning, vous le savez, tous les matins, il y a une star qui vient réveiller la France. Une star, ce matin, c'est Nino. Il est de retour, il sera en tournée avec Skyrock dans toute la France en avril prochain. Il va déclarer sa flamme aux familles parce qu'on parle d'amour. Eh bien, on y reste dans l'amour, là, tout de suite. Nino sur Skyrock. Il parle avec une star. Ça va quoi? Mais ils ne savent pas. Franchement, je dois pas le quitter. Hein. Tiens, c'est Nino. C'est le réveil de star. Nino de Toulouse. Seulement sur Skyrock. Ah bon, on se fera plaisir, on écoutera du Nino là tout à l'heure. Et on l'écoute chez les familles. Il a réveillé la famille de Gérard. C'est Gérard. Ce serait drôle que Nino il drague Gérard. Bon, allez, on y va, c'est parti. Réveil de star. Nino dans le morning sur Skyrock à 6h14. Allez Nino, allez Gérard et la famille. Allô? Allô? Gérard. Oui, bonjour. Bonjour. Ça va mon rêve, ça va, ça dit quoi? Bah ça va. Va vous placer Nino. Nino. Bienvenue. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ça va quoi? À qui ai-je l'honneur? Tu m'entends? Oui, très bien. C'est Johnny. Non, je vois pas. Non, mon gars. Comment vous avez dit? C'est Johnny. Je sais pas, je connais pas. C'est Nino. Ouais, mais je vois pas vous, qui vous êtes par contre. Toi, mon bébé. Oui, explique un peu mieux parce que... Toi, ma future femme. Oui. Il paraît que tu as annoncé vouloir faire un break. C'est quoi vos conneries, là? Quand c'est interdit, ça attire. Puis moi, j'ai mon poing sur ta gueule bientôt. Ah. Fais pas le coup du patron, gros. Bah, je suis certainement pas un blaireau comme toi. Fais pas le patron. Ouais, bah viens voir un peu. Tu verras un peu qui est le patron, connard. El patron. Ouais, si tu veux. Ouais. Je t'en mets une. T'as peur? J'ai peur. T'as peur? Peur de toi? Ouais. Mais non, mais tu veux rêver? Tu rêves, là, mon gars. Tu sais comment ça se passe. Ouais, puis allez, va te faire voir par les Grecs et puceaux. Bon à rien. Pas les good vibes. Feignant. Good vibes, c'est ça, tu connais, tu vis. Ouais, peu trop du cul. Voilà, c'est Gérard. Eh bien voilà, c'est Gérard qui protège sa chérie. Et qui nous a sorti un va te faire voir chez les Grecs qu'on n'avait pas entendu depuis le 20e siècle. Et oui, Gérard était là ce matin, la chérie de Gérard aussi, et Nino, qu'on écoutera tout à l'heure. On se fera un extrait de l'album Réfé, vous avez le gros album de Nino. Et vivement la tournée Skyrock, c'est au mois d'avril prochain. À ne pas louper, les 6h16 sur Skyrock. 6h-9h sur Skyrock, le morning de Diffoul. 6h19 sur Skyrock, Angèle et Damso. À 6h19, on nous réveille, c'est les démons. Et le démon, il arrive, il est là, le démon du sexe. Mathieu, en direct du 38 avec nous. Salut Mathieu. Salut Diffoul, salut l'équipe. Salut Mathieu. Alors, t'as passé un bon week-end, Mathieu. Dans un instant, on va parler des embrouilles du week-end. Tiens, je signale juste à Johnny Boys. T'as pas d'embrouille ce week-end, toi, hein? Si, un peu, parce que des fois, tu sais, quand tu vas te laver, tu laisses traîner ton caleçon ou tu ramasses pas les poussières que tu fais tomber. Ah, toi, c'est des embrouilles de couple. On a embrouille de couple, ouais. On a une belle embrouille à vous faire écouter là dans un instant. Préparez-vous. Puis je voulais saluer Johnny Boys qui nous a envoyé un message qui dit oui, week-end embrouille avec mon meilleur pote, ancien meilleur pote. Il rajoute derrière. Ah merde, c'est ancien. Dis-nous ce qui s'est passé. Si vous êtes embrouillé, vous pouvez nous raconter. Allez-y, parce que nous, on va parler d'une embrouille qui a eu lieu en live à la télé ce week-end. Exactement. On va vous en reparler, on va vous faire écouter tout ça. Préparez-vous. C'est dans un instant.
évidemment sur Skyrock. Mais revenons d'abord à notre World Sex Report. Donc comment ça s'appelle? Ah, le Sex Report 2022, pas World, puisque c'était l'état du sexe en France. Les préférences sexuelles des Français en 2022. 2,5 rapports par semaine quand t'es en couple. En moyenne. C'est la moyenne pour les Français et les Françaises. Et alors toi, Mathieu, est-ce que tu as des excuses quand tu n'as pas envie de faire l'amour? Ou alors, est-ce que ta chérie a des excuses quand tu n'as pas envie de faire l'amour? Genre, tu as laissé traîner des trucs dans la salle de bain, par exemple, je te punis. c'est vrai que ça arrive souvent. Des fois, elle fait genre, elle me fait la tête pour pas faire l'amour, c'est vrai. Oui, mais les filles, vous faites parfois la tête pour pas grand-chose, hein, j'ai remarqué. C'est vrai. C'est pas faux. Mais c'est après, moi, j'ai plusieurs excuses. Moi, je dis, j'ai mal à la tête, je suis fatigué, je me lève tôt le lendemain. Ah, c'est toi qui balance des excuses, toi, Mathieu? Ouais, des fois, ouais. Enfin, j'ai pas envie, ouais. Le traditionnel, j'ai mal à la tête, c'est toi qui le balance à ta chérie. Mais est-ce qu'elle se rend pas compte que tu racontes des mythos de temps à autre? Non, parce que tu sais, vu que je me lève tôt et que je rentre tard du boulot, franchement, ça passe tranquille. Donc, Donc, le mal à la tête, le travail. Et elle, quand elle a pas envie, qu'est-ce qu'elle te balance? Qu'est-ce que t'as repéré comme petites excuses qu'elle te balance? Je suis fatigué. Souvent, elle est fatiguée. Oh, je suis fatigué, mon chéri. Bon, le truc, c'est trouver des moments où vous êtes pas fatigué, ni l'un, ni l'autre. C'est ça, exactement. Et pour les... Ça fait combien de temps que t'es avec ta chérie, toi, Mathieu? Moi, ça fait 7 ans. 7 ans. Et combien de fois par semaine pour comparer par rapport aux Français qui sont à 2,5 fois par semaine? Sincèrement. Théoriquement, honnêtement, 6 fois. Pas fatigué. Oh, ça va, vous tenez un bon rythme. Il n'y a pas de fatigue et pas de maux de tête. Eh bien, bravo, Mathieu. Voilà, c'est ça. Je te remets la palme du sexeur de ce morning. Pour l'instant, c'est bien, tu fais monter la moyenne. 2,5 par semaine pour les Français. 6 à 7 fois pour Mathieu. Ça va. 6 fois, tu nous as dit. Allez, 6 fois par semaine. C'est pas mal. Il y a un jour de repos. Tu fais un jour de repos, ouais. Voilà, c'est comme le dimanche. Dimanche, c'est tranquille. Le dimanche, c'est off. C'est ça. Bon, on te fait un gros bisou, Mathieu. On te met dans le tirage au sort de la PS5 qui sera gagnée tout à l'heure. Je te souhaite bonne chance d'avance. Allez, bah merci l'équipe. On croise les doigts. Et puis, je t'envoie le t-shirt du morning. Il est tout beau. Le t-shirt du morning qu'on va t'envoyer dans le 38. Bisous, Mathieu. Bravo pour tes performances. Ah, et Guigui. Voilà, félicitations. Et Bloui. Non, bravo pour tes performances, je te disais. Ah, bah Guigui, c'est parce que moi, je suis. Merci, c'est gentil. Tu sais, en une semaine, tu fais autant l'amour que Guigui en une vie. En une vie, ouais. C'est un truc de ouf. C'est terriblement triste. Bisous, Mathieu. Et Jay-Z Beyoncé, là, tout de suite sur Skyrock. Matin, c'est le morning de Default sur Skyrock. Jay-Z, Beyoncé sur Skyrock, un gros classique à 6h26. On écoutait Bonnie and Clyde. Et attention, c'est un peu comme Bonnie and Clyde. Notre invité mystère est Mathieu Delormeau. Elle était l'invitée de Mathieu Delormeau dans TPMP Weekend. Vous savez, c'est samedi soir maintenant, TPMP Weekend. Non. TPMP People. Pardon, TPMP People, parce qu'il y a plein de TPMP. TPMP People avec Mathieu Delormeau. Et oui, Mathieu Delormeau qui recevait une invitée mystère qui s'est embrouillée pratiquement avec tout le plateau. C'est ça. Exactement. Elle était là, l'invité mystère. La voici, la voilà, car elle débarque maintenant dans le morning. Vous la découvrez, vous gagnez votre pack digital Skyrock, enceinte écouteurs Bluetooth, Skyrock et Powerbank. Et vous serez inscrit pour la PS5. Il faut juste écouter sa voix et nous laisser vos messages avec votre appli Skyrock ou le 41 759 ou le skyrock.fm. Bonne chance d'avance. C'est l'invité mystère sur Skyrock. Et oui, elle est là. Good morning, Dufour. Bonjour, l'invité mystère. Je pense que ça suffit pour la découvrir. Qui est donc cet invité mystère? Moi aussi, je suis number one, connard. Ouais. Yeah, L'invité mystère qui joue au théâtre, qui était venu nous voir dans le morning. On s'était bien marré d'ailleurs avec elle. Et ça s'est moins bien passé par contre chez Mathieu Delormeau. Un peu moins. Oui, un petit peu moins bien. Elle s'est pris la tête, mais alors méchant. Avec des chroniqueurs, les chroniqueurs inconnus de TPMP People. Parce que je n'en connais pas un, moi. C'est un truc. Si, t'avais Jean-Michel Maire dedans. Ah, tu vois, il est tellement refait que j'ai même pas reconnu. Bon, vous savez qui est l'invité mystère? Vite vos messages et vous gagnez votre pack digital Skyrock. Vous serez inscrit pour la PS5 comme promis. Allez-y vite, c'est le premier ou la première qui trouve la bonne réponse qu'on retrouve en direct avec nous. Il est 6h27 sur Skyrock. Les numéros 1 se réveillent tous sur Skyrock. 6h-9h tous les matins. Premier sur ton réveil. Accompagné de dans le morning de D-Fool. Ok, c'est Nap. Salut, c'est Gims. Salut, c'est Angèle. C'est CH. Salut, c'est Orelsan dans le morning de D-Fool. Et bon réveil et bon morning. Il est 6h32 sur Skyrock. Mais oui, Médeline, on est là. Elle est contente. Elle est en forme, avec nous. Et on ne l'a pas saluée déjà, Médeline. On lui fait un gros bisou. Eh oui. C'est la présence féminine ce matin. Évidemment, c'est important. Oui, on est entre couilles ce matin. Les filles, on a besoin de vous. Allez-y. Hein. Et entre madame. 06 86 101 101. Cariole sera de retour dès demain. Ne vous inquiétez pas. 06 86 101 101 pour vos WhatsApp audio. Les excuses que vous utilisez quand vous n'avez pas envie de faire l'amour.
allez-y. Ou alors les excuses qu'on vous a balancées. Vous nous racontez tout ça. On a étudié un petit bout de notre Sex Report 2022. On en reparlera dans le morning. On va parler des embrouilles aussi. Votre dernière embrouille, vous pouvez nous en parler. Hein. En couple, avec des potos, avec des gens que vous connaissez pas dans la rue. Vous pouvez tout nous raconter, vous nous dites tout. Et on va retrouver l'embrouille du morning avec notre invité mystère. Mais oui, elle est là. Elle va vous citer un bon morning. Good morning, Dufour. Elle me souhaite un bon morning. Mais qu'elle est gentille. Qui est donc cette invitée mystère? Et on a Célim au téléphone en direct avec nous à Toulon. Salut Célim. Bonjour l'équipe, comment ça va? Ça va bien Célim. Salut Célim. Salut. Bienvenue, t'as passé un bon week-end Célim toi? Ah oui, impeccable. Impeccable, et là c'est reparti pour une semaine de boulot. Hein. Faut aller taffer là. Alors, un peu dur le lundi, mais bon. Un peu dur le lundi, mais on va te faciliter ton lundi. Tu vas nous dire qui est l'invité mystère et tu vas gagner ton pack digital, tu vas voir. Et c'est Afida Turner. Eh oui, Afida Turner. Hey, oui. This is Afida Turner dans le morning de Default. Et voilà, c'est ça. Elle nous le fait en franco-anglais, Afida Turner. Elle est tellement forte, cette Afida. Bon, le pack digital, il est pour toi. Et t'es inscrit pour la PS5 en plus, Céline. Bravo. Ah, c'est gentil, les gars. Et oui, et la voici, Afida Turner, là, tout de suite sur Skyrock. La voici dans TPMP People, le rendez-vous du samedi de Mathieu Delormeau. C'est ça. Dans TPMP, donc il y a plusieurs chroniqueurs qui sont tous complètement inconnus. Et à part Laurent Fontaine, vous rappelez, c'est celui qui faisait l'émission. Ah, Bataille et Fontaine, là. Voilà, les deux, c'est ça. Avec la vérité qui compte. Ah, c'est lequel? C'est le grand. C'est le petit. C'est okay. Le petit. C'est okay. Le petit, Laurent Fontaine. Laurent Fontaine qui donne son avis sur la pièce de Afida Turner, Requiem pour une conne. Écoutez, et a pas aimé. Afida au théâtre, oui ou non? Bah quoi? Bah c'est le summum. Attends, les coutures. C'est même ah les bon coutures, même les fringues sont sales. Oh non. Il est vilain, Laurent Fontaine, il est pas gentil. Un journaliste de Closer, complètement inconnu. Ah, complètement, oui. Qui donne son avis. Je suis pas convaincu que sa pièce est drôle. Continue. Donc pour vous, c'est une usurpatrice? Pardon? C'est une usurpatrice, comme on dit. Ouais, mais je pense qu'elle le sait même pas. Voilà. Elle est là. Elle le sait pas. Ce qu'ils savent pas, c'est qu'elle est dans les coulisses. Elle est là. Et elle arrive et elle débarque sur le plateau. Faites rentrer la star. Afida, bébé, on est là. Où? Je peux me permettre? Je peux me permettre de dire quelque chose? Non, parce que c'est là ta place. Oh, wow, that's amazing. Voilà. Elle doit être agacée, la fille. Quelle entrée de star elle nous a fait, Afida Turner. Bon, et évidemment, elle va voir Laurent Fontaine. Laurent Fontaine qui a dit que c'était vulgaire, tout ça. C'est sale. Le mec, ça fait 20 ans, on l'a pas vu, il est là ce soir. On fait les cours Florent, c'est plein, on fait les prolongations. Au lieu d'encourager quelqu'un qui se sort de la merde, oh là là, il dit tout est oh sale. Viens bébé, viens. Viens bébé. Oui, Médéline, on te soutient, Afida Turner. Mais oui, mais oui. Tu sais, quand on est une star comme toi, il faut entendre forcément les critiques positives. Oh oui, mais écoute, un avis, c'est comme un trou du cul, tout le monde en a un. Et lui, il en a les mêmes besoins. Fontaine, of course. Un trou du cul. Bah, il n'a pas été très gentil non plus. Ah, ça, c'est le journaliste de Closer. Méchant, le méchant. Je le connais pas, on s'en fout. Allez hop, tiens, le cadeau. Magnifique. Et attention, confrontation, Pascal Fontaine contre Afida Turner. Moi j'ai un malaise. Pascal Fontaine, non, c'est Pascal Bataille. C'est Laurent Fontaine. Laurent Fontaine, on les confond toujours. C'est les ça. Moi j'ai un malaise quand je te vois globalement. Tu sais, c'est le même effet que quand je vois Loana sur les plateaux de télé. Ouais. Pardon, je te compare pas à Loana. C'est qu'à un moment donné. Est-ce que t'es un petit bourgeois? T'es un petit bourgeois et t'es un raciste. Non, c'est ça, non, tu juges les gens. Bourgeois, tu connais rien de ma vie. Mais t'es qui, toi, t'as fait quoi? Je ne parle pas aux ânes, ça les instruit. Mais t'es pas un âne, toi, t'es un abruti. Tu es chum, va chez le dentiste. Mais pas tu es un abruti, tu es chum, va chez le dentiste. Et attention, on est parti sur le physique, allez, on continue. Ah, mais vous irez dîner ensemble après. Ah, bah c'est sûr que toi, avec tout, t'es bourrelé. Non, mais arrête de dire ça. Le physique. Petit gros, là. Non, petit gros. Alors, non, on n'est pas petit. Oh, il est pas petit, il a dit. Il est gros, mais il est pas petit. Merci Mathieu Delormeau. C'est Mathieu Delormeau qui était le plus méchant en fait. Ah, Afida Turner exceptionnel. Putain, elle est trop forte. L'embrouille du week-end avec Afida Turner chez Mathieu Delormeau. Ah bah c'était magnifique. Voilà tout ce qu'on aime. Bon voilà, on embrasse Afida Turner. Kiss baby. Kiss, amazing. Et Célim, on te donne rendez-vous tout à l'heure à 9h15 pour le tirage au sort pour la PS5. Merci l'équipe. À tout à l'heure, Céline. Salut. Et bonne journée. Salut, à Toulon. La météo à Toulon et dans toute la France. Allez, on va faire le point maintenant avec toi, Rémi. C'est parti. Le temps du jour, l'actu, les doubles appels qui arrivent aussi. Hein, le premier avant 7h du matin. Et du gros son, du Lil Nas X, du Oh Boy. On a prévu du Nino aussi. Et puis les infos, donc la météo. Ouais, ça va de mieux en mieux. Côté ciel, on a une perturbation ce matin qui se promène des Alpes à la Bourgogne-Franche-Comté. On va la retrouver un peu plus tard entre l'Aquitaine et Midi-Pyrénées. Mais partout ailleurs, ce sera agréable. Peut-être quelques
nuages, voire même quelques averses ce matin, notamment sur la Bretagne, mais ce sera de l'histoire ancienne dans l'après-midi. Le soleil va s'imposer sur les deux tiers du pays, on aura du vent hein, près de la Méditerranée. Les températures entre 0 et 10 degrés, 2 à Lille, 5 à Lyon et à Paris, 8 à Marseille, 7 dans la Loire cet après-midi, 8 en Bourgogne et sur les Ardennes, on aura 9 dans la Loire, 10 si vous êtes sur la région parisienne, le massif central ou encore près des frontières du Nord, 11 en Normandie et sur la vallée du Rhône, 12 pour la Haute-Garonne et la pointe du Cotentin, 13 en Bretagne et sur la côte basque, 14 pour le bassin aquitain, entre 16 et 18 près de la Méditerranée. La pollution, ça reste moyen, les indices entre 3 et 5. Et l'actu tout de suite sur Skyrock, vous allez tout savoir, nous aussi, ça tombe bien, c'est Rémi. Et donc, quel protocole pour le Covid dans les écoles? On en saura peut-être plus demain. Une réunion est prévue entre les syndicats et les ministères de la Santé et de l'Éducation. Les règles pourraient être assouplies au retour des vacances de la première zone. Parmi les pistes privilégiées, la levée du port du masque en primaire ainsi que l'adaptation de la politique de dépistage. On peut aussi s'attendre à un allègement des contraintes des pratiques sportives. Il l'appelle le convoi de la liberté, de l'aveu du maire. La ville est complètement bloquée et la situation est hors de contrôle. Voilà plus d'une semaine que le centre d'Ottawa au Canada est complètement bloqué par des camions. Les chauffeurs de poids lourds demandent le retrait de l'obligation vaccinale pour passer la frontière entre le Canada et les États-Unis. Le premier ministre Justin Trudeau se refuse pour le moment à faire intervenir l'armée. Les manifestants sont bien plus nombreux que les policiers de la ville. Des mouvements similaires ont eu lieu ce week-end à Toronto et dans d'autres communes du pays. La cour d'appel de Rouen a confirmé la révocation du placement sous bracelet électronique des époux Balkany. L'ancien maire de Levallois-Perret est convoqué ce matin par la procureure d'Évreux. Il devrait être incarcéré dans la foulée. On ne sait pas dans quelle prison il sera détenu, mais ce sera à coup sûr dans une unité pour personnes vulnérables. 150 pompiers mobilisés hier soir pour maîtriser un incendie qui a ravagé un hôtel particulier du 7e arrondissement de Paris. Le bâtiment était en travaux, personne n'a été blessé et vers 19h30, tout semblait sous contrôle. Elle sort pour la première fois d'un long silence et c'est un journal français qu'elle a choisi. La joueuse de tennis chinoise Peng Shuai avait quitté la planète après avoir disparu. Souvenez-vous, elle avait publié puis supprimé sur les réseaux sociaux un message où elle accusait de viol l'ancien premier ministre chinois. Dans l'équipe, la joueuse trouve exagérées les inquiétudes quant à sa disparition qu'elle nie. Elle explique que son poste a donné lieu à un énorme malentendu. Et on va parler de sport maintenant, mais du vrai, avec des résultats, tout ça. Ouais, les JO de Pékin pour commencer, puisqu'une première médaille à venir dans quelques minutes. Ça y est, énorme exploit pour Joan Claret qui va décrocher l'argent olympique de la descente. Il a 41 ans. Il ne reste que 10 concurrents, 12 concurrents là à passer. Ce sont des concurrents de seconde zone qui vont s'élancer dans quelques instants. On ne voit personne qui est en mesure de le chasser du podium. Donc on attend encore un petit peu parce qu'il pourrait y avoir une surprise. Mais logiquement, donc cette médaille d'argent qui attend Joan Claret dans les prochaines minutes. La Ligue 1 avec la suite et la fin de la 23e journée. Cette belle victoire du Paris Saint-Germain. 5 buts 1 contre Lille, de bon augure à quelques jours du choc contre le Real Madrid. D'ailleurs, en parlant du Real, est-ce que Kiki va finir par se décider? Eh bien, pour l'instant, non. Il a fait quelques révélations à l'issue de la rencontre. Il ne dit ne pas encore avoir pris de décision sur son avenir. Dans les autres matchs, Rennes s'impose 2-0 contre Brest. Même score de Lorient face à Lens. Victoire de Reims 5-0 contre Bordeaux. 0-0 entre Troyes et Metz. 1-0 pour Clermont opposé à Nice. Même score pour Strasbourg contre Nantes. Au classement, les Parisiens restent en tête devant Marseille et Nice. Strasbourg, Rennes et Monaco complètent ses 6 premières places. La CAN avec le Sénégal qui s'impose pour la première fois. Ouais. Victoire des Lions du Sénégal dans la Coupe d'Afrique des Nations. Il a fallu aller jusqu'au tir au but contre l'Égypte. Score final 4-2 donc pour les Lions du Sénégal. Et puis la France hier qui a réussi son entrée dans le tournoi des 6 Nations. Victoire contre l'Italie 37-10. Et on salue Bab qui a fêté la victoire du Sénégal et qui a un gros mal de tête ce matin. Salut Babsk et merci pour ton message et bravo les Sénégalais. Mais ouais, oui, bien joué. C'est Nougal et les infos qui reviennent dans une demi-heure avec toi Rémi. Préparons-nous. Ouais. Combien de fois l'amour par semaine, Rémi? Bon, je sais pas, je compte pas. Et t'as mal aux fesses ou pas? Oui. Ah, tu comptes pas? Non. Ça veut dire que t'es en dessous des 2,5 fois par semaine? Peut-être. Oh, c'est ça d'avoir un bébé à la maison. Hein. Ça, ouais. C'est une bonne excuse, hein, parce que je voyais le message que nous avait envoyé Erwan, là, tout à l'heure, Erwan du 44, qui nous disait depuis qu'on a fait un fils, on n'a même plus envie de faire l'amour, c'est horrible, il fait ses nuits, mais pas nous. Ah ouais, c'est sûr qu'il fait lui, il fait la bringue la nuit. C'est un tougher. C'est un tougher, c'est un fêtard. Ben oui. Bon, il va bien le petit? Ouais, il va bien. Hein, il crie la nuit? Ouais, ça commence à aller mieux.
Ah, ça commence à. Ah, mais il se couche tard, laisse tomber. Elle est comme son père. Ouais. Déjà à bringue, ouais. Et c'est parti. Laisse tomber, lui. Bon, courage à toi, Erwan. On te fait des gros bisous. On parlera des bonnes excuses que vous sortez pour ne pas faire l'amour. Et le Sex Report 2022. On en reparle dans un instant avec vos messages. Je peux parler des embrouilles. On a eu la belle embrouille à Fita Turner il y a un instant. On peut reparler, hein, si vous êtes embrouillé ce week-end. Vous avez des trucs à nous raconter. Vous n'hésitez pas. Allez-y au 41759 sur l'appli. Et au 06 86 101 101. C'est le numéro pour les WhatsApp audio. 06 86 101 101. Et puis évidemment, si vous participez au morning, vous serez dans le tirage au sort pour la PS5. Il n'y a que ceux qui n'ont pas laissé de message qui n'ont pas gagné la PS5. Allez-y. Bonne chance à vous. Et puis vos chèques de 1 500 €, c'est à gagner tous les matins. On salue tous les gagnants de la semaine dernière. Les gagnantes de la semaine dernière, on en a fait gagner plein des chèques de 1 500 €. Vendredi, c'était Sandra Fosse-sur-Mer dans le 13 qui a décidé d'aller au ski. En profiter pour aller au ski. C'est avec cool, ça, c'est cool, ouais. 1 500 €. Salut Johanna de Beaune, Nicolas de Nîmes, Salia de Villepinte, Jordan de Béthune, Farouk d'Oisiel dans le Doisiel. C'est dans le 7-6, tu connais de chez toi, en Normandie, Rémi. Et notre Tour de France démarre maintenant, toutes les demi-heures, 1 500 € à gagner. De l'argent facile, totalement légal. C'est les 1 500 € sur Skyrock. Maintenant. 1 500 € à gagner et le premier tirage au sort va nous amener en Bretagne. On va aller faire un tour à Saint-Brieuc chez les Zepki. Les Zepki. Et 1 500 € si ça répond Skyrock. Et il faut que ça réponde avant la cinquième sonnerie. Vous savez comment ça marche. 1 500 € à gagner tous les matins. Bonjour. Ah là, c'est l'infirmerie. C'est ça. Oui. Bonjour, madame l'infirmière. Bon, oui, c'est bon, j'ai fait ma troisième dose, donc j'ai pas besoin de vous, mais par contre, je vous appelle pour vous offrir 1 500 €. On est en direct à la radio. Bon, eh oui. On est à quelle radio? Alors, justement, je vais te poser une question. C'est comment ton prénom? Moi, c'est Morgane. Morgane, alors Morgane. Enchanté, Morgane. Je vais te demander quelle est ta radio préférée. Si t'as la bonne réponse, tu gagnes 1 500 €, Morgane. Et après, je te dirai quelle est la radio sur laquelle on est. J'espère que j'aurai pas à te le dire, d'ailleurs, j'espère que tu le sais. Si t'as la bonne réponse, c'est 1500 balles. Morgane, ta radio préférée? Attention. Attention. Vas-y, dis-nous tout, Morgane. Allez, lâche-moi. Dommage. C'est pour ça que tu nous faisais. Je suis dégoûté. C'est pas, désolé. En fait, Morgane. Je les écoute toutes sur ma route, moi. Bah, il faut en écouter qu'une. Est-ce que tu écoutes Skyrock, Morgane? Ah, bah ouais, non, mais c'est du full là. Tu connais, Morgane, t'as merdouillé. T'as merdouillé, Morgane. Il est pas sur RTL2, du full. Ça y est, je reconnais ta voix du full. Oh, bah Morgane, pourquoi t'as pas répondu Skyrock? Mais j'ai le droit, du coup, ça marche, du coup, ça passe. Ça passe. Morgane, elle change les règles. Mais oui, c'est bon, Morgane. C'est validé. Mais bien sûr que c'est validé. En plus, non, mais pour la récompense de. Voilà, de me lever si tôt. Tu sais que t'as raison, moi aussi, lâche pas. Je vais demander à Pierre Bélanger, notre bien-aimé patron, je vais lui dire, je me lève tous les matins très tôt, et pourquoi moi je gagne pas les 1 500 € tous les matins. Non, mais c'est vrai, t'as raison, Morgane. Ouais. Bon, Morgane, je peux pas t'offrir les 1 500 € parce que autrement je peux pas. Par contre, je vais t'envoyer ton pack digital et je vais même te mettre dans le tirage au sort de la PS5. Ah, ça c'est bien ça. Avec un peu de chance tout à l'heure. Je te dis. Donc, ça ferait trop plaisir à mon fils ça. Bon, alors déjà, tu vas lui envoyer le pack digital et à l'enceinte Skyrock, les écouteurs Bluetooth, la powerbank. Donc ça c'est pour ton fiston. Et puis la PS5 tout à l'heure. Morgane, t'as fait de la radio ce matin. Putain, merde. Bon, on salue toutes les infirmières qui nous écoutent tous les matins. Ouais, big up à vous. Et les infirmiers aussi. Des gros bisous à vous toutes. Bon courage pour la journée. On en a besoin. Et bah, tu quittes pas, Morgane, on te reprend tout de suite. Et je te rajoute même le t-shirt du morning. C'est royal pour toi, Morgane. Moi, je suis comme ça avec les infirmières. Bon, gros bisous, Morgane, raccroche pas en tout cas. Bisous à toi. Et salut tout Saint-Brieuc. On salue la Bretagne qui nous écoute. Et on salue Oh Boy parce qu'on l'écoute tout de suite. Et nos familles du double appel qui arrivent dans un instant. Et on continuera d'étudier notre Sex Report 2022 avec les désirs secrets des Français. Vous allez découvrir les désirs secrets des Français. Et tous vos messages, si vous avez un désir secret, vous nous en faites part. On parle de tout. Vous avez la parole tous les matins sur Sky, 6h46 déjà. C'est ton morning. C'est le morning de Default sur Skyrock. 6h, tous les matins. Premier sur ton réveil. Hey, Oh Boy sur Skyrock. Oh Boy et TDB à 6h49 sur Skyrock. On a offert presque 1 500 € il y a un instant. Vous avez vu, c'est passé à deux doigts. À pas grand chose. Oui, à deux doigts. Bon, on embrasse en tout cas. On fait des gros bisous à Morgane. Elle sera dans le tirage au sort pour la PS5. Vous aussi d'ailleurs. Et merci pour les messages que vous nous envoyez. On étudie ce matin, on exclut sur Skyrock les résultats du Sex Report 2022. Les Français font l'amour 2,5 fois par semaine quand ils sont en couple. Et quand ils sont pas en couple, ils le font moins. Hein, bah, c'est sûr. Ouais, beaucoup moins.
même. Et un Guigui comme ça, tu prends des forces pour la suite. Non mais c'est bien, ça va m'encourager ce matin là, je sens bien. Et on vous a demandé donc quelles étaient les excuses que vous donnez quand vous n'avez pas envie de faire l'amour. Ah. Voici quelques messages que vous nous avez laissés sur le 41759, l'appli Skyrock, le skyrock.fm. Moi j'ai mal au dos, c'est Cédric. Ah c'est Cédric. Eh les gars, vous avez aussi des excuses. Je pensais qu'on aurait plein de messages de filles. Bon, on en a eu, mais je pensais pas qu'on aurait autant de messages de garçons qui veulent pas faire l'amour. Cédric, t'as mal au dos, c'est les mêmes excuses que tu donnes quand t'as envie de te mettre en arrêt maladie. C'est vrai. Tu sais, c'est la maladie qui ne peut pas se vérifier. C'est pas vérifiable, oh, j'ai mal au dos. J'ai mal au dos. Ah. Oh là là, ma chérie, j'ai mal au dos. Je vais pas assurer aujourd'hui. Didier a une petite méthode, ou sa chérie a une méthode. On va découvrir son message sur le 06 86 101 101. Salut l'équipe, c'est Didier du 16. Salut Didier. Et bah, moi, madame, son excuse, quand elle veut rien faire, c'est simple, c'est pas une excuse. C'est qu'elle fait exprès qu'on se prenne la tête, voilà, elle me ressort les vieux dossiers. Et puis bon, bah là, tu sais que voilà quoi, tu vas pas ken. Allez, bonne journée à vous l'équipe. Ça, c'est une excuse. Une excuse qui est pas mal, tu ressors les vieux dossiers, en fait, tu crées une embrouille. Et comme ça. Mais tu pourrais lui dire, allez ma chérie, on va se réconcilier sous l'oreiller. Parce que la petite réconciliation sur l'oreiller, en général, c'est les meilleurs coups, ça. Merci Didier. Donc voilà, tiens, je t'ai donné une petite méthode pour lutter contre cette abstinence forcée à cause des vieux dossiers, l'embrouille que te provoque ta chérie. Il y a le message de Marouane également. Salut Marouane. Ah, faut pas que je le passe, si. Trop tard. Si, vas-y. Allez, trop tard, parce que Sam, il me fait. Oh là là, il est trop trash. Non, vas-y. Bonjour l'équipe, pour les excuses pour pas faire l'amour. Oui. Ça m'est arrivé une fois, je suis tombé sur une meuf, elle avait une grosse touffe bien poilue. Ça m'a dégoûté. Et j'ai dit que j'étais pas bien, que j'avais envie de vomir. Mais c'était pas une excuse finalement, c'était vrai, ça m'avait vraiment écœuré. Voilà l'équipe, allez, ciao. Vous avez prévenu ça. Oui, bah j'avais dit. Merci Marouane pour ton petit message. On a vu une grosse touffe. Oh, je suis pas bien, j'ai envie de vomir. Je vais te vomir dessus. Marouane du 13. Ciao Marouane. Voilà. Les filles, vous avez la traditionnelle excuse qui revient beaucoup, c'est j'ai mal au ventre, je sens que je vais avoir mes règles, tout ça. Ouais. Et après, vous les attendez pendant 3 semaines. Oh là là, c'est vrai, ouais. Je sais pas ce qu'elles font. Oh là, mais qu'est-ce qui se passe? Elles arrêtent pas de venir, c'est ouf ça. Il faut tout simplement lui dire que vous êtes trop fatigué, ça c'est la méthode qui arrive le numéro 1. Ouais, c'est classique ça, ouais. Le mal de tête et la fatigue. Bon, les désirs secrets des Français, on en reparle dans un instant, mais avant ça, moi j'ai un gros désir là maintenant qui monte. Oui, dis-moi. C'est l'heure. Non, c'est pas pour toi ça. Ah merde. C'est pour les familles du double appel. On va retrouver nos familles tout de suite, le double appel. La France est sur écoute. Qui ça va bien votre tête? Ils comprennent pas toujours ce qui leur arrive. Moi j'étais au lit là, ça m'a réveillé, je suis pas sur le mégabat, ça vient de lui quelque chose. C'est le double appel de Diffoul sur Skyrock. Même le jingle est collector, hein, c'est ouf. Le double appel sur Skyrock et nos familles qu'on retrouve tout de suite. C'est même un multi-appel pour bien démarrer cette journée. Allez. Un multi-appel à retrouver avec nos belles familles. C'est parti, mise en contact tout de suite, on les a testés juste avant. Allô? Et c'est... Oui. Je parle? Oui, c'est qui? c'est qui, vous m'appelez? Ah non, vous m'avez... j'ai appelé personne, monsieur, désolé. Ah ben écoutez, moi on m'a appelé, hein. Je sais pas. Bon, merci. Et le allez, téléphone sonne par l'opération du Saint-Esprit. C'est bien dit ça. Allô. Allô. Oh, on m'a fait flipper Romano. Putain, il y a des vibratos. Allô. Ah non, ça marche plus. Non, ça marche plus, ça fait plus. Non. Alors écoutez, si c'est pour moi compter ce genre de conneries, c'est pas la peine. À vous rappeler quelqu'un d'autre, d'accord? Qui c'est qui joue au allô? Ouais ben moi c'est Jean-Pierre. Sérieux, je vais pas rigoler, là. Attention, hein. Pas te faire foutre. Alors, ça vous amuse? Mais c'est quoi, ce truc, là? Ouais, bah, écoutez, c'est pas drôle. Feriez mieux de pas jouer à ça, parce que quand vous serez enregistré et que je porterai plainte, vous rigolerez moins. Oui. Allô? Oui. Allez, amusez-vous ailleurs. Allô? Oui, allô? Bah oui, allô? Bah oui, je vous écoute. Bah, c'est pas moi, c'est toi qui appelle. Hein? Moi, j'appelle rien du tout. J'ai reçu un coup de téléphone marqué privé. Bah moi pareil. Ah bah c'est le bordel. Bah ouais, c'est bizarre cette affaire. Bizarre. Ouais, voilà. Oh. Oui, un cheval. Bordel. Super, magnifique. Ouais. Bon allez, allô, je raccroche. Allô, allô. Ouais, moi aussi. Oui. Allô. Je vais être obligé d'enlever le fil du téléphone. Hein. Ah bah, dis donc. T'arrêtes la boxe, hein. Ah du con. T'as que ça à foutre, l'eau du cul. Oui, allô. Oui, je sais pas qui c'est. Patrick. Patrick. Accroche. Qu'est-ce que c'est, ce bordel là? Oui, qui c'est? Eh, faut trouver une femme, mon pauvre mec, hein. Je sais pas, c'est qui? Ah ouais, je suis à poil, là. Eh, mais t'es vraiment grave, hein, toi, hein. Faut vraiment te faire soigner, mon pauvre. Ah ouais? Et t'es qui, toi?
Mais t'es pas net, toi. T'es complètement ravagé, c'est vrai ça, hein, parce que t'as pas l'air bien fut-fut, hein. Ah ouais, bah, je crois pas, non. Puis toi, t'es qui, alors, du coup, qu'on se parle en direct? Pauvre gars, hein, faut te trouver une femme, hein. Moi, je suis décapoté complètement. Oh non. Ouais, bah, ça m'étonne pas, vu comme t'as l'air complètement débile. Ouais, bah, ça rend sourd, hein, je crois, du coup. Mais t'es moi qui es cintré, mon pauvre. Ouais, allez, moi, je parle pas aux pauvres mecs comme toi. Tu viens ici, puis je te casse la gueule. Oh, c'est sympa. Oh, mais c'est parti. On n'aura pas la réponse de la dame, là. Merci à Patrick qui a foutu le bordel dans les téléphones. Patrick le pervers. Oui. Qui était là pour notre double appel inédit. Un autre, tiens, inédit aussi à retrouver tout à l'heure. Dans moins d'une heure, restez bien sur Skyrock. On va découvrir notre horoscope, l'horoscope de l'amour et les désirs des Français. Le Sex Report 2022 est sorti. Les désirs des Français, c'est tout neuf. C'est à découvrir sur Skyrock. Dans un instant, il est 7h05. 6h09. En direct Skyrock, c'est le morning de Difool. Monsieur et Baby sur Skyrock à 7h01. Allez, on va parler d'amour. Et on en parle beaucoup d'amour ce matin avec le Sex Report 2022. Les Sex Report 2022 qui nous parlent des désirs secrets des Français, autrement dit des fantasmes des Français. Ouais. Qu'est-ce qui intéresse les Français et les Françaises ce matin? Allez, je vous dis tout. Juste avant 7h, avant l'horoscope, une histoire d'un soir, un rendez-vous avec des inconnus ou une inconnue, ou un inconnu d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Ouais. À la place numéro 6. L'amour dans des lieux publics, à la place numéro 5. Un truc de jeu de rôle, genre tu te déguises en infirmière. Bah, je trouve ça ridicule, moi. Bah, écoute, tant mieux, parce que je te vois pas en infirmière. Je suis pas sûr que ça m'excite ce matin-là. En 4, les infirmières, les jeux de rôle, enfin tout ça. En 3, le tantra. Alors ça, j'ai jamais compris. Quoi, le sexe lent. Le tantra, c'est par exemple, c'est le sexe très lent. Tu fais l'amour de manière très très lente, limite tu te touches pas parfois. T'es en face de ta copine, vous êtes en face de votre mec, vraiment comme ça, et vous attendez. Et vous faites. Voilà. C'est un truc un peu. C'est un peu particulier. C'est psychologique, c'est dans la tête. Ouais. Ça, c'est en 3. En 2, ça, c'est plus chaud. Le sexe en groupe, et en 1, les plans à 3. Voilà. On reconnaît les Français. On se rattrape. Là, il y a du monde. Voilà, c'est le Sex Report 2022. Étude très sérieuse sur le sexe et les Français et le sexe. Ça sort tous les ans. Et on vous le propose ce matin en exclu total sur Skyrock. Il y a peut-être d'autres chiffres qu'on va étudier. Je vais étudier ce gros dossier là dans le morning. Mais là, il est 7h, c'est l'heure des infos de Rémi dans un instant, mais de l'horoscope. Tu veux savoir comment va se passer ta journée? C'est l'horoscope de l'amour sur Skyrock. L'horoscope de ce lundi 7 février, on va démarrer par les Gémeaux et les Sagittaires. Vous êtes à 0 sur 5. Et heureusement que on a des conseils pour vous aider à passer une meilleure journée. 0, mais des conseils. Et les conseils, c'est ne pas vous inquiéter pour ceux que vous aimez. Ça pourrait les stresser, ça pourrait vous stresser vous aussi. Vous leur faites confiance, ils vont sortir de tous les problèmes, vous inquiétez pas. Pas de parano. Le 1 du jour pour les Lions et les Balances. Évitez de prêcher le faux pour savoir le vrai. Allez droit au but, comme les Marseillais. Si vous avez quelque chose à demander, vous demandez, vous ne tournez pas autour du pot et vous verrez, ça ira beaucoup mieux avec beaucoup plus de franchise. Le 2 du jour pour les Scorpions, les Verseaux. Vous n'allez pas vous ennuyer. Vous n'aurez même pas une minute à vous aujourd'hui. Une semaine qui démarre sur les chapeaux de roue. Mais rassurez-vous, au final, vous arriverez à gérer. Les Béliers et les Taureaux, 3 sur 5. Vous serez sympa, cool, agréable avec les autres. Et les autres vous le rendront bien. Une journée toute tranquille. Les Cancers et les Vierges, 4 sur 5. Ça monte. Une rencontre est possible si vous êtes célibataire aujourd'hui. Petit conseil pour les célibes, allez faire un tour sur les réseaux. C'est là que ça risque de se passer. Puis en couple, votre partenaire sera très content d'être avec vous. En plus, si vous avez une décision importante à prendre, suivez votre feeling, c'est comme ça que ça se passera pour le mieux. Et les meilleurs du jour, mais oui, on démarre bien la semaine, les Poissons et les Capricornes. Ouais, on est là, ouais, on est ensemble. En pleine forme, on est ensemble, et oui Théo. Un seul mot pour nous décrire en ce lundi. Irrésistible, ça ne m'étonne pas. Allez, le morning en direct sur Skyrock, et dans moins d'une minute, enfin dans une minute, les infos de Rémi qui arrivent, nos infos, et vos 1500 euros à gagner sur Skyrock. Tous les matins, c'est le morning de Difool sur Skyrock. J'écoute le morning de Difool dans toute la France. C'est là qu'ils fonce. C'est le morning de Difool sur Skyrock. Ils sont prêts à tout. Pour te réveiller 6h-9h tous les matins. Premier sur ton réveil. Et ouais, bon réveil et bonne journée, 7h03 sur Skyrock. On va pas lancer notre référendum, on va le faire tout de suite. Le référendum du jour avec un sondage qui est sorti sur les situations les plus agaçantes au travail. C'est ça. Mais tout domaine confondu, hein, ça peut être les collègues, ça peut être des trucs qui fonctionnent pas, ça peut être des machins à faire, clients. Ici, c'est la machine à café. Des clients relous, une machine à café qui ne fonctionne pas. 20 ans pour faire un café, incroyable. Incroyable. T'as vu, ça l'a mis dans un état, Karim, c'est dingue. Ouh là là, fou.
les pires et les plus fréquentes situations à travail, agaçantes au travail. On en reparle et donc on va compléter ce grand sondage. C'est une étude qui a été faite sur 1000 employés. Eh bien nous, on a beaucoup plus de monde que ça. Vous êtes des millions à vous réveiller sur Skyrock tous les matins. Oui. Donc on a besoin de vous. Vous nous laissez vos messages avec votre appli Skyrock, le 41759 et le skyrock.fm. C'est le grand référendum de ce matin. On a besoin de votre avis. Et puis vous envoyez vos messages avec le WhatsApp audio, le 06 86 101 101. Les dernières situations agaçantes au taf, les trucs qui vous énervent le plus, allez-y, profitez-en, on vous attend, on fera un petit tour d'équipe dans un instant. Ah, c'est bien ça. Rémi, dans les différentes rédactions de France dans lesquelles tu as travaillé, oui, quelles ont été les situations les plus agaçantes au travail? Oh, j'en ai eu plusieurs. Je me suis embrouillé avec un de mes rédacteurs en chef. C'était pas à Skyrock, ça? Non, c'était pas à Sky. Bah non, c'est moi le rédacteur en chef. Ouais. Avec moi-même. Il a compris comment ne pas s'embrouiller. Maintenant, il est devenu chef, man. Tu vois. Et puis on me cassait. Hein? C'était un con. Bah, franchement, ouais. Ah non, mais tu peux le dire, hein. Ah non, mais oui, un gros con. Ouais. Il est connu ou pas? Bah, vous le connaissez, ouais. Il est connu. Ah, mais vous le connaissez bien. On peut avoir un nom, s'il vous plaît. Je n'aurais pas de nom. C'est qui, c'est Zemmour? Il travaille. Merde. Attends, t'as bossé avec lui. Sur CNews. Il travaille à la télé? Non, c'était à la radio. C'est à la radio. Ouais. Et puis, okay. Après, dans une autre radio, on me cassait mon carreau aussi de bagnole. Ah, ça, c'était un collègue qui était jaloux de toi. Ouais. Bon, vous nous en parlez, ce qui vous énerve le plus au taf, vous nous balancez tout. Au taf et même au bahut, hein, des trucs qui vous énervent, vous nous dites tout, ça fait du bien d'en parler. Bon, Rémi, en forme, puisqu'il est à Skyrock ce matin, mais oui. Comme tous les matins, nos infos, le point sur l'actu, vos 1 500 € dans un instant, puis du gros son pour nous réveiller. On aura Nino en réveil de star et on va l'écouter aussi, Nino avec Viviez, qui aura Doja Cat, Naps tout à l'heure, et le point sur l'actu avec la météo pour démarrer. Quel temps pour ce lundi? Bah, ça va de mieux en mieux. Côté ciel, on a une perturbation ce matin qui se promène des Alpes à la Bourgogne-Franche-Comté. On la retrouvera un petit peu plus tard entre l'Aquitaine et Midi-Pyrénées. Partout ailleurs, eh bien, ce sera agréable. On peut avoir quelques nuages, voire même un petit peu de pluie ce matin, notamment sur la Bretagne. Ce sera de l'histoire ancienne. Cet après-midi, le soleil va s'imposer sur les deux tiers du pays. On aura du vent tout de même. Près de la Méditerranée, les températures entre 0 et 10 degrés. 2 à Lille, 5 à Lyon et à Paris, 8 à Marseille. Entre 6 et 18 cet après-midi, 6 à Langres, 18 à Bastia et à Montpellier. La pollution, c'est moyen. Les indices entre 3 et 5. Et toute l'actu, c'est maintenant sur Skyrock. 40 minutes de conversation téléphonique pour se coordonner. Emmanuel Macron et Joe Biden se sont parlé hier soir alors que le président a rendez-vous aujourd'hui avec Vladimir Poutine. Déplacement en Russie avec pour objectif d'obtenir une désescalade des tensions avec l'Ukraine. Il s'y rendra d'ailleurs demain pour s'entretenir avec son homologue Zelensky. 100 000 soldats russes sont massés à la frontière ukrainienne. Certains observateurs craignent une opération militaire massive. L'affaire d'Orpea qui semble faire tache d'huile. Une avocate annonce qu'elle va lancer une nouvelle procédure collective visant cette fois-ci Korian. Il s'agit du premier groupe privé français de maisons de retraite. L'avocate aurait recueilli des dizaines de témoignages accablants de familles de résidents. L'ensemble des plaintes sera déposé en avril prochain. Il s'est senti terriblement seul et on le comprend. Ses parents étaient confus d'ailleurs lorsque les forces de l'ordre ont pu les joindre. Un couple d'habitants de l'Isère qui se rendait à Montpellier ce week-end a oublié son fils de 14 ans sur l'aire d'autoroute de Roquemort, sur la 9. Ouais, après une pause pipi, les parents ne se rendent pas compte que le fils n'est pas remonté à bord du véhicule. C'est un des employés des services techniques de l'aire de repos qui va découvrir le jeune qui errait sans savoir où allait l'adolescent. En plus, a laissé son téléphone portable dans la voiture et ne peut pas alerter ses parents. Les gendarmes vont du coup réussir grâce aux réseaux sociaux à joindre des amis du couple. Ils ont évidemment fait demi-tour dans la foulée pour aller chercher le fiston. C'est mieux. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Vous avez fait des trucs de fou ce week-end, vous pouvez nous raconter, hein, on vous attend. Hein, 06 86 101 101. Si vous avez oublié, je sais pas, mamie sur l'air d'autoroute. Enfin, tout est possible. Les infos sport, ah oui, plein de sports ce week-end. Ouais, la Ligue 1, la 23e journée suite et fin. Cette belle victoire du Paris Saint-Germain 5-1 contre Lille, de bon augure là avant le choc en Ligue des Champions contre le Real. Lorient s'impose 2-0 contre Lens, même score de Rennes contre Brest. Victoire assez large aussi de Reims contre Bordeaux 5-0, 0-0 entre Troyes et Metz. Clermont s'impose 1-0 contre Nice, même score pour Strasbourg opposé à Nantes. Au classement, et bien dans l'ordre, Paris, Marseille et Nice. Le Tour d'Europe des stades, 23e journée de Liga. Belle victoire du Barça 4-2 contre l'Atlético Madrid. Le Real s'impose timidement 1-0 contre Grenade. La Maison Blanche reste leader devant les deux équipes de Séville. En Allemagne, gros match entre Dortmund et Leverkusen. Avantage pour le second qui s'impose 5-2. En Italie, Naples a gagné contre Venise 2-0. Même score pour la Juve contre Vérone. Au classement dans l'ordre,
Inter, Naples et Milan AC. Et puis le quatrième tour de la Cup, victoire de Liverpool 3-1 contre Cardiff. La CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, et cette victoire sur le fil du Sénégal qui s'impose au tir au but à l'issue du temps réglementaire puisqu'il y avait 0-0 face à l'Égypte. Score final 4-2 et les Lions du Sénégal qui remportent, eh bien, pour la première fois de leur histoire, la Coupe d'Afrique des Nations. Et on reparlera de la Coupe d'Afrique des Nations tout à l'heure avec un invité mystère à découvrir et puis un petit bilan de la CAN et toutes les petites histoires qui sont déroulées autour de la CAN. On va tout vous raconter. Et Rémi, les infos reviennent tout à l'heure dans une demi-heure. Ouais. 7h09 sur Skyrock. Les situations agaçantes au taf. J'ai le classement du sondage dont je vous parlais. Cette étude qui a été faite sur 1000 employés et on attend vos messages. Et il y en a déjà plein qui arrivent, des trucs qui vous énervent au travail. Il y a Pouchin qui dit les collègues qui râlent tout le temps pour rien. Bah oui, parce que parfois c'est déjà relou de se lever, notamment le lundi matin, pour aller taffer. Si vous avez en plus des collègues aigris, c'est pas super. Heureusement que nous on est de bonne humeur, ça. Pouchin, oui, qui nous enlève au message. Moi, ce qui m'énerve le plus au taf, c'est rattraper les clients qui veulent résilier et tout faire pour qu'ils restent. Ah ouais, c'est ton boulot, petit biscuit, ça c'est vrai que c'est pas facile. Hein. T'as pas des petits trucs, des petits, je sais pas. Allez, tiens, on vous offre un porte-clé. Ah super, c'est pas mal ça. Allez, on t'offre un porte-clé. Ou un pins. Ou un pins, ouais, c'est cool ça, ouais. Amélie qui est en train de bosser, elle est dans le 59, elle nous dit moi je suis femme de ménage et ça me saoule quand je vois que quelqu'un a touché à mon matériel mais qu'ils ont rien rangé et qu'on le laisse sale. Ah ouais, c'est horrible ça. Ah, toi t'aimes pas non plus. Ah mais ça m'arrive là, à côté, et c'est toujours en bordel quand il vient. C'est fou ça. Dis-moi qui c'est que je le punis. Non, je veux pas dire parce que c'est mon responsable en plus. Ah bah voilà, comme ça on sait du coup. Ah voilà. Bah on sait. C'est bien, t'as balancé sans dire le nom mais t'as quand même balancé. Qu'il j'espère qu'il écoute pas du coup, mais bon. Non, il écoute jamais. Ah non, oh, ça va là. Astor, il dort. Ah, on va rigoler ce matin là. Allez, vos messages, on fera un petit tour de l'équipe d'ailleurs pour savoir ce qui ne leur va pas dans leur travail quotidien à Skyrock. Les collègues qui parlent mal pour Vince Lee, ceux qui bavent les uns sur les autres. Les collègues qui pensent qu'à leur gueule pour Quentin. Je vous donne le classement officiel et puis vous, vous votez, on se fait un référendum. Allez-y, pour ouais, vérifier tout ça dans un instant sur Skyrock. Allez, on parle de ça, on trouve Nino, on va l'écouter avec VVS et on va l'écouter aussi dans le réveil de Star. C'est ouais, Nino qui réveille les Français, le réfait tour avec Skyrock. La grosse tournée de Nino va démarrer. Marseille, Lille, Lyon, Paris, il débarque partout en France, c'est beau, et nous on débarque aussi partout en France. C'est l'heure des 1500 euros. À qui on va offrir de l'argent ce matin? Qui sera le premier ou la première à gagner? Tentative là tout de suite, c'est parti. Toutes les demi-heures, Difool fait sauter la banque. C'est les 1500 euros sur Skyrock. 1500 euros à gagner, on va aller où? On va aller à Clermont-Ferrand, tiens, c'est parti. À Clermont, où Skyrock est la radio musicale la plus écoutée. Merci les Clermontois d'avoir fait Skyrock, la numéro 1. J'espère qu'on va vous récompenser ce matin. On a tiré un Clermontois sur... sur Clermont-Ferrand. Sur l'annuaire. Ah, d'accord. Oui. C'est la famille Ébrard. Allô? Emmanuel. Salut Emmanuel. Qu'est-ce qu'il y a? Emmanuel, il a un lundi difficile. C'est la radio, Emmanuel, on est en direct à la radio. Salut Manu. Salut Manu. Allez, bonjour. Oh, le réveil est difficile, Manu. Bon, on va te faciliter le réveil. Il y a 1500 euros à gagner. On est en direct à la radio. C'est un jeu qu'on fait tous les matins, toutes les demi-heures. Je vais te poser une question. Si t'as la bonne réponse, tu gagnes 1500 euros. T'es prêt, Manu? Ouais. Allez, dis-moi, quelle est ta radio préférée? Allez, Manu. Allez, allez. Allez, Manu, allez. Si t'as la bonne, tu gagnes 1500 euros. Quelle est ta radio préférée, Manu? Allez, Manuel. Énergie. Oh. Ah non, c'est la merde. En effet, une radio qui porte bien son nom. Qui te fout la pêche dès le matin. Mais non, c'est Skyrock et Emmanuel. On est sur Skyrock ce matin. Ah, Skyrock. Et oui, et en plus, et à Clermont-Ferrand, tout le monde écoute Skyrock. On est en numéro 1, Emmanuel. Ouais, ouais. 96.2 pour nous écouter, Emmanuel. Ouais, je sais, c'était la radio de mon enfance, Skyrock. Bah, tu es pas devenu vieux comme ça, d'un coup. Bon, Manu, viens nous rejoindre et on souhaite quand même une bonne journée, un bon réveil. Ouais, allez, merci. Allez, salut Emmanuel. Ah, t'as vu, t'es mieux réveillé maintenant. Bah oui, mais c'est Skyrock, ouais, c'est l'effet Skyrock. Et oui. Et oui. 1500 euros à gagner, le prochain rendez-vous dans une demi-heure. Pour vous aussi, 1500 euros. Faites comme vendredi Sandra qui a gagné à Fosse-sur-Mer et tous les autres. Répondez Skyrock, c'est 1500 euros cash. Ouais, tiens, c'est Nino dans le morning de Difool. 6h-9h seulement sur Skyrock. Premier sur ton réveil. Ouais, Difool, c'est comment? Les 1500 euros, ils sont sur Skyrock, c'était VVS et on va retrouver Nino pour le réveil de Star. C'est Nino qui réveille les Français ce matin pour fêter la grosse tournée de Nino. Ça démarre très vite en avril. Marseille, Lille, Lyon, Paris. Nino qui tourne dans toute la France. Et les situations agaçantes au taf, bah oui, si vous allez taffer ce matin, on vous prépare à subir le meilleur.
et le pire. Bien sûr. Le meilleur et le pire. Qu'est-ce qui énerve les Français ? Étude sur 1000 employés. C'est tout neuf, ça vient de sortir. En 1, ceux qui viennent... Alors ça, c'est nouveau. Parce qu'on a déjà eu des études comme ça, mais là, celle-ci, elle est toute nouvelle. Et ça, ça n'existait pas. C'était même pas classé dans les 10 premiers, ça, l'année dernière. Les collègues qui viennent au travail malades. Ah, ça, oui. C'est à cause du Covid. Ça. Bah, en même temps, ouais, c'est pas trop l'époque. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est le truc qui arrive premier et assez largement. Donc, les collègues qui arrivent au travail... Malade numéro 1. En 2, les problèmes informatiques. Oh, classique ça, ouais. Ah, mais j'ai souvent envie de foutre des coups de pied aux ordinateurs. Ah, mais c'est vrai, souvent, ouais. Ça m'arrive des fois, oui, c'est vrai, oui. Et ça n'aide pas les Français. Non, en général, ça les enterre définitivement. Mais bon, c'est. Les problèmes informatiques arrivent à la deuxième position. Troisième, les collègues qui arrivent en retard ou qui partent plus tôt. Ça énerve aussi. Quand toi, tu fais ton taf et que tu vois les autres qui arrivent 10 minutes en retard, et encore 10 minutes, je suis gentil, et puis qui repartent une heure à l'avance. Ça y est, j'ai fini mon taf. Tout va bien. En 4, les collègues qui se lavent pas les mains avant de retourner travailler une fois qu'ils sont sortis des toilettes. Hein, Sam? Tu m'as déjà vu sortir des toilettes sans me laver les mains? Non, sans te laver ton corps, mais. Ah, voilà, tu vois, sans pas les mains. En 5, l'obligation de participer à des réunions à la con qui auraient pu se dérouler par courrier électronique, des réunions qui servent à rien. Ah ouais, putain. En 6, les problèmes d'imprimante. Ah ouais. Aussi, ouais. 6e, ouais, les problèmes. On a ça, nous aussi. Ouais, ouais, sauf que Théo, ça fait 2 mois qu'il doit réparer, c'est toujours pas fait. Ah bon? Voilà. Mais en même temps, tu me préviens pas. Donc mais bien sûr que. Ouais, on va pas s'énerver. Ah, il s'énerve. Ah. Là, je vais montrer mon vrai visage, là. C'est vérifié en direct, les problèmes d'imprimante peuvent aboutir à des situations agaçantes au travail. Ouais. On vient d'en avoir la preuve. J'ai vraiment t'embrouillé. Les personnes qui discutent ensemble ou qui parlent fort au téléphone dans l'espace commun. Ah ouais, ça fait chier, ça. Ou ceux qui écoutent de la musique aussi dans les espaces communs. Ça énerve, ça. Tu sais, qui ont une enceinte dans le métro, toi, ça rend fou. En 8, la lenteur du Wi-Fi. Ah ouais, ça c'est énervant, ça. Le truc qui rame. T'as des mails envoyés, les mails ils partent pas, ils arrivent pas. Ça c'est relou, ça, ouais. Ah. Non, quand je plains de cases ici quand même. Hein. Quand je prends le casque, le wifi aussi, ici, c'est une galère aussi. Bah alors, t'es où? Bah, mais c'est pas moi. Mais toi, c'est la badie. Bah, t'es le technicien, attends. Bah, c'est alors, boulot, attends. Et pourtant, on a 3 réseaux wifi ici. Je suis pas wifi man. Hein. Pas wifi man. La position numéro 9, la suite. Plus assez de café ou rupture de capsule. Ah, le café qui fonctionne pas dans la machine à café, rupture de capsule. Ça rend fou les gens. Ça rend fou, t'as envie de ton café, t'en auras pas. En 10, pas assez de place dans le parking. Bah, déjà, vous avez de la chance d'avoir un parking. Ouais, déjà, ouais. En 11, les collègues qui utilisent trop de jargon ou de mots tendance. Il y a un truc, par exemple, qui sort dans plusieurs métiers, notamment dans la pub, tout ça. C'est, ouais, alors là, on a trouvé un effet waouh. Ah ouais. Alors, l'effet waouh, c'est par exemple, t'as un client, il vient à la caisse et tu lui offres, allez, je sais pas, encore un porte-clés, tiens. Tu lui offres. Waouh. Ouais, alors ça, c'est l'effet waouh, tu vois. Le client, ouais, il va être trop content, on va lui offrir. On va lui offrir un porte-clés, c'est l'effet waouh. C'est-à-dire que le client, il va faire waouh. Non, mais le terme est effectivement, c'est passionnant. C'est des bonnes tendances. Ah, c'est cool, ouais. Le 12, les personnes qui mettent trop de parfum ou les personnes qui sentent mauvais. Ah, c'est des personnes qui sentent trop bon. Hein, les personnes on en coche plein mauvais. Des cases, Sam. Hein. En 13, une mauvaise luminosité, un décor déprimant, un bureau tout moche, un endroit où vous travaillez qui est tout vilain. En 14, les collègues qui vous volent des trucs. Ah, les voleurs, 14e. Et 15e, alors ça, c'est quand vous êtes dans un grand immeuble, l'ascenseur qui est en panne. Ah ouais. Et voilà, on a le top 15. Donc si vous avez vous aussi au boulot des trucs qui vous énervent, vous avez la parole. On ira faire un petit tour sur vos WhatsApp, les WhatsApp audio. Donc des collègues, des trucs qui marchent pas, des machins qui vous énervent, allez-y. La bouche d'un prof qui pue comme Momo qui nous envoie un message. Bon courage à ceux qui vont au bahut et qui ont des profs qui puent la mort dès le lundi matin. Ah, c'est pas facile ça. Allez-y, ceux qui respectent pas les toilettes nous dit bouffe-moi là sur l'appli Skyrock. Et qui salissent tout et qui pissent partout. Ah ouais, ça c'est horrible. Ah, c'est crade ça. Et notamment pour les femmes de ménage qui nous écoutent, ça va être sympa ça, tiens. Bon allez, on en reparle. Les situations sur agaçante au taf, c'est notre grand référendum. On fera un point donc sur les WhatsApp dans un instant. Et puis sur le classement, le nôtre classement là, c'était le sondage. Nous on vérifie tout ça et on en reparle avec vous ce matin sur Skyrock. Allez-y, profitez. Nous on profite de Nino tout de suite, on l'a écouté avec VVS. Et on l'écoute maintenant dans le réveil de Star. Il parle avec une star. Ça va quoi? Mais ils le savent pas. Franchement, je vois pas quitter. Hein. Tiens, c'est Nino. C'est le réveil de Star. Nino de où? Seulement sur Skyrock. Allez, Nino de où? Bah de Skyrock, Nino. Oui. Nino, on le retrouve tout de suite en tournée avec Sky. Leur effet tour arrive. Et leur effet tour commence par la maison de François. On a réveillé François et la famille. Allô ce matin. Allô? Oui. Oui, bonjour. Oui. Ça va mon rêve, ça va, ça dit quoi? Ouais, ouais, tranquille, comme toujours. Super cool, c'est super cool. Parce que t'es qui toi? C'est Johnny. Johnny quoi? C'est Didio.
Ah bon, qu'est-ce que tu nous racontes, que t'es de où, toi? Paris. Ah bon, t'es de Paris, ah ouais? Direction Arc de Triomphe. Bah, je suis le cousin du président de la République, moi. Oh, hein? Macronie. Aïe, aïe, aïe. Macron-y. François Hollande. Fais pas le coup du patron, gros. Bon, puis qu'est-ce que tu voulais? Fais pas le patron. Ouais, j'entends mal, là. Tu m'entends? Ça va? Toi, mon bébé. Moi, je suis curé. Toi, ma future femme. Trop drôle. Alors, j'ai jamais touché à personne, alors tu vas pas, tu vas pas venir avec moi, là, hein. Quand c'est interdit, ça attire. Je suis pas trop homo, hein. Good vibes, c'est ça, tu connais, tu vis. C'est ça. Bon, mais dis, puis pourquoi tu masques ton appel? Pourquoi il y a marqué appel masqué? Il paraît que tu as annoncé vouloir faire un break. C'est une berline que j'étais, pas un break. C'est du cannabis de ouf. Un cannabis? Non, j'ai jamais goûté, moi. Je suis trop jeune pour ça. Tu connais la vie quand je viens de commencer. Ah oui, t'es à Paris, là? Ah ouais, c'est génial. Non, c'est génial. À bientôt, un plus? Avec le cousin? Vas-y. Ça y est, Tozuke, là, il est rentré, pourtant il s'en va en Russie, alors. El patron! Bah, tu vois que je suis au courant de ce qu'il fait, hein. Ouais, de ouf. Bon, allez, à bientôt, à plus, hein. Bob Banks. Allez, salut! Elle fait des blagues sur Macron qui va en Russie. Vraiment, c'était le cousin d'Emmanuel Macron qu'on avait en Russie. Eh bien, dis donc, on a des stars dans le morning. Un Nino qui réveille les Français. Nouveau réveil de stars tout neuf. Si vous voulez qu'on le prépare pour dans une heure, vous nous laissez les numéros de ceux que vous voulez qu'on réveille. Ouais. Et on s'en occupe. Un nouveau réveil de stars pour 8h15 tout à l'heure. Bon, on a le temps, il est 7h23. Dans un instant, l'invité mystère arrive. 6h-9h sur Skyrock. Woman de Jackat sur Skyrock à 7h26. On va faire un bilan de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Bravo le Sénégal, c'est la première fois que le Sénégal remporte la compétition. Champion, frère. Bravo. Champion, ouais. Les Sénégalais, bravo à vous. Et oui, j'ai vu que vous étiez contents ce matin. Il y a même des Sénégalais qui nous ont laissé des messages, qui se sont réveillés avec un petit mal de crâne ce matin. Ah ouais. Ah bah t'as fait la fête hier soir, t'as mal au crâne ce matin. Ouais, c'est ça. Mais bon, ça fait plaisir. Alors on va parler de plein de choses qui sont déroulées à la CAN, des choses qui sont un peu hors football. Oui, c'est hors football, oui. Pour certaines. Et on va reparler avec un invité mystère à découvrir. Un commentateur, ah ouais, si vous êtes des fidèles du morning, vous le reconnaîtrez tout de suite. Commentateur mystère, on va pas vous demander son nom, je vous donne son nom, c'est Kassim. Mais Kassim, ouais, est commentateur pour quelle équipe? C'est le commentateur officiel des... Il me faut le nom de l'équipe, allez. Le nom du pays même, plus précisément. Ouais. Il a fait le buzz avec ses commentaires, nous on l'a adoré pendant la CAN. Le voici, le voilà. L'écoutez bien pour vous rappeler quelques petits souvenirs à 7h26 et pour le découvrir et gagner votre pack digital maintenant. Devine qui c'est. C'est l'invité mystère sur Skyrock. Il est là, il est là. C'est comme je suis enceinte et c'est ce soir que je vais vous coucher et vous voyez, ça va être un bon bébé, un bon enfant, un bon chouchou. Et voilà, un bon chouchou. Un bébé, un bon enfant, un bon chouchou, il parle du match. C'est comme s'il était enceinte de regarder un match de football. C'est l'arbitre. C'est génial, c'est qu'il commente le match comme s'il était sur son canapé. Ouais, c'est vraiment, ça ouf. Je l'adore. J'ai pas envie d'avoir une crise cardiaque. Eh oui. Eh oui, monsieur l'arbitre, il faut arrêter de faire des conneries, sinon je vais faire une crise cardiaque. Et quand son équipe loupe une occasion, ah, il y a presque but, là, presque but. Aïe, 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 c'est pas possible. Et si, c'est pas possible, c'est pas possible. Bon, en tout cas, il est derrière son équipe à fond. C'est qui ce commentateur officiel de quelle équipe? Enfin, de quelle équipe, de quel pays? Vous nous laissez vos messages, on fait une bise à Soprano. Allez, tiens. Bon indice. Ah, je vous donne un petit indice comme ça. Vous avez la bonne réponse, vous nous laissez vite, vite, vite vos messages avec l'appli Skyrock, le 41759, le skyrock.fm. Vous gagnez votre pack digital. Le pack digital Skyrock, les enceintes Sky, les écouteurs Bluetooth, la powerbank Skyrock, tout ça pour vous et vous serez inscrit pour la PS5. Quand on a encore mis une PS5 en jeu. Allez, tout ça pour vous et dans un instant, tout sur la CAN, tout ce qui a fait le buzz cette année. Allez, on vous dit tout. Il est 7h28 sur Skyrock. Les numéros 1 se réveillent tous sur Skyrock. Le morning de Diffoul, c'est ding, 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 ding. 6h-9h tous les matins. Premier sur ton réveil. Accompagné que de ding, 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 ding. Dans le morning de Diffoul. Ok, c'est Nap. Salut, c'est Gims. Salut, c'est Angèle. C'est CH. Salut, c'est Orelsan dans le morning de Diffoul. Et bon lundi et bon réveil sur Skyrock, 7h31. Et à 7h31, on va découvrir le pays de notre commentateur préféré, la découverte de la CAN, le meilleur commentateur du monde. Embauchez-le dans des, Bean si tu nous écoutes. Ce serait bien, ouais. Prime Vidéo si tu nous écoutes. Ouais, Canal si tu nous écoutes. Canal Football Club. Eh ben ouais, prenez-le dans le Canal Football Club. Il est génial et il soutient son équipe de cœur. On va la découvrir, son équipe de cœur. Je vous aime trop. Je t'aime. Oh. Attends.
félicitations Ali. C'est bien Ali, merci. Merci, mon chouchou Ali. Oui, mon chouchou, chouchou, c'est une légende lui. Il est à fond derrière son équipe, même quand elle prend un but. Oh là là. Aïe, c'est pas possible. Oui, si, c'est possible. Bon, qui a fait, son équipe qui a fait un parcours sympa quand même. Ah, qui a fait un bon parcours, hein, qui a fait beaucoup parler d'elle. Alors, c'est quoi l'équipe? On a la bonne réponse avec Valentin en direct du 39. Salut à toi, Valentin. Salut l'équipe, salut bon, les fous, ça va? Salut, ça va, Valentin. C'est quoi le 39? C'est le Jura, non? Ouais, c'est le Jura, c'est ça, ouais, à côté de Dole. Big up Dole, big up le Jura, et big up également, alors là on va plus au sud, plus au soleil, big up à l'équipe de Kassim, c'est l'équipe des... Oh ouais, les Comores. Eh oui, les Comoriens, qui ont fait une belle canne, bravo les Comoriens, ils ont terminé sans goal, enfin ils sont exceptionnels. À cause du Covid, ouais, ils ont dû changer dans le bus, parce qu'ils étaient dans les embouteillages, après, ils sont pris des grosses galères, ouais. Bravo Valentin, t'as gagné ton pack digital Skyrock. Ouais, merci les gars, c'est cool. Je vous écoute depuis très très longtemps. Il y a intérêt, man. C'est bien, Valentin. Tu es aussi dans le tirage au sort pour la PS5 tout à l'heure. Hein. C'est cool, pas de soucis, je vous remercie. Bon, on va faire un petit bilan de la CAN parce qu'il s'est passé des trucs rigolos, pas que sur le terrain d'ailleurs. Vous savez que le staff de la CAN a dû mettre de la peinture verte sur les pelouses pour cacher le mauvais état de l'herbe de certains terrains. Dans certains stades. Ouais. Ouais, dans certains stades. Bon, on va reparler de la CAN avec des nouvelles de joueurs qui chopent le Covid parce qu'ils sont allés voir des filles avec des arbitres pas très au point avec le staff pas très au point aussi pour l'ambiance du stade. Enfin, on va tout vous dire, on en reparle dans un instant, vous saurez tout sur la CAN. Et Valentin, on te retrouve tout à l'heure, j'espère, à 9h15 pour le tirage au sort de la PS5. J'espère aussi, hein. Inch'Allah. Tu fais quoi dans la vie, Valentin, toi? Je suis chauffeur livreur. Ça chauffe, ça livre. Il y a des trucs qui t'énervent au boulot? Des trucs qui m'énervent au boulot? Oui. Non, j'aime bien mon taf, c'est tranquille et tout. Non, je kiffe mon taf. T'es déjà tombé sur des clientes qui t'ouvrent à poil? Ou en petite tenue? Non, mais après, moi, je livre des professionnels. Moi, je livre de la viande. Tu peux avoir la bouchère qui t'attend nue. Ouais, je suis pas sûr que son patron il soit d'accord, mais... Ou le patron qui t'attend nue sur la balance. C'est possible. Bon, Valentin, ouais, tu bouges pas. On va reparler de ça. Si vous venez de vous réveiller, notre référendum aujourd'hui, c'est les situations agaçantes au taf, dans tous les tafs. Vous nous dites tout ça, on fait un point sur le référendum. Ouais. Et bien dans un instant sur Skyrock. Et on fait un point sur les infos là tout de suite parce qu'il est déjà 7h34. Rémi. Ouais. Oui. L'actu, le sport. Et oui, on va revenir à la CAN, notamment à la victoire du Sénégal. Et puis la météo. Bah ouais, la météo pour ce lundi. Ouais, ça va de mieux en mieux la météo. On a une perturbation ce matin qui se promène là des Alpes à la Bourgogne-Franche-Comté. On va la retrouver un petit peu plus tard entre l'Aquitaine et Midi-Pyrénées. Partout ailleurs, ce sera agréable. Alors c'est vrai que ce matin c'est un petit peu gris là du côté de la Bretagne, mais ça sera de l'histoire ancienne. Tout à l'heure, cet après-midi, le soleil va s'imposer sur les deux tiers du pays. On aura du vent près de la Méditerranée. La Haute-Corse est en vigilance orange. Les températures ce matin entre 0 et 10 degrés. 2 à Lille, 5 à Lyon et à Paris, 8 à Marseille. Cet après-midi, il fera 7 dans la Loire et sur le territoire de Belfort. 8 sur les Ardennes et en Bourgogne. On aura 9 du côté de l'Alsace. 10 si vous êtes en région parisienne près des frontières du Nord ou sur le Massif central. 11 en Vallée du Rhône et en Normandie. 12 du côté de la Haute-Garonne. 13 si vous êtes en Bretagne ou encore 14 pour le bassin Aquitain, entre 16 et 18 près de la Méditerranée. La pollution, c'est moyen, les indices entre 3 et 5. Et le point sur l'actu tout de suite, c'est parti, l'actu et le sport sur Skyrock. Et si les maths faisaient leur retour en première et en terminale, Jean-Michel Blanquer le dit lui-même, c'est un sujet très sérieux et il est ouvert à toute proposition avec la nouvelle réforme du bac. Les maths ne sont plus obligatoires à partir de la première et peuvent être suivies comme spécialité. Le problème, c'est que les enseignants pointent un niveau qui serait de plus en plus bas, pour ne pas dire inquiétant. Finalement, il y a de moins en moins de lycéens qui choisissent de s'orienter vers les filières matheuses. Le ministre de l'Éducation pourrait donc rajouter la matière dans le tronc commun. Elles étaient fermées depuis mars 2020. Les frontières de l'Australie vont rouvrir le 21 février aux touristes entièrement vaccinés contre le Covid. Annonce faite ce matin par le Premier ministre Scott Morrison. Pendant ces deux dernières années, les Australiens n'ont la plupart du temps pas été autorisés à sortir de leur pays. Seuls quelques visiteurs ont obtenu une dérogation pour entrer sur le territoire. Ils l'appellent le convoi de la liberté. De l'aveu du maire, la ville est complètement bloquée et la situation est hors de contrôle. Voilà plus d'une semaine que le centre d'Ottawa au Canada est complètement bloqué par des camions. Les chauffeurs de poids lourds demandent le retrait de l'obligation vaccinale pour passer la frontière entre le Canada et les États-Unis. Le Premier ministre Justin Trudeau se refuse pour le moment à faire intervenir l'armée. Les manifestants sont bien plus nombreux que les policiers de la ville. Des mouvements similaires ont eu lieu ce week-end à Toronto et dans d'autres villes du pays. La cour d'appel de Rouen a confirmé la révocation du placement sous bracelet électronique des
des époux Balkany, l'ancien maire de Levallois-Perret, est convoqué ce matin par la procureure d'Evreux. Il devrait être incarcéré dans la foulée. On ne sait pas dans quelle prison il sera détenu, mais ce sera à coup sûr dans une unité pour personnes vulnérables. On va parler de sport maintenant sur Skyrock. Ouais, et de Jeux Olympiques, tiens, à Pékin, cette première médaille, là, ça y est, française. Non, d'ailleurs, c'est même la deuxième. Énorme exploit pour Joanne Claret qui a décroché l'argent olympique de la descente. Il a 41 ans, bravo à lui. Maintenant, on va voir ce que donne Tessa Worley hein, sur le géant. Septième de la première manche, l'or olympique semble difficile à atteindre, mais une médaille reste encore possible. La Ligue 1 avec la suite et la fin de la 23e journée. Cette belle victoire de Paris, 5 buts 1 contre Lille à quelques jours du choc contre le Real Madrid en Ligue des Champions. D'ailleurs, quel avenir pour Kylian Mbappé ? Il s'est livré à quelques révélations hier à l'issue de cette rencontre. Il dit ne pas encore avoir pris de décision sur son avenir. Lorient s'impose 2-0 contre Lens. Même score pour Rennes contre Brest. Victoire assez large de Reims, 5-0 contre Bordeaux, 0-0 entre Troyes et Metz. Clermont s'impose 1-0 contre Nice. Pareil pour Strasbourg contre Nantes. Au classement, Paris en tête devant Marseille et Nice. La CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. La belle victoire du Sénégal à l'issue du temps réglementaire, 0-0 contre l'Égypte. Mais le Sénégal qui s'impose 4-2 au tir au but. Bravo aux Lions qui remportent donc leur première Coupe d'Afrique des Nations. Et puis du rugby, victoire de la France 37-10 contre l'Italie. C'était le premier match du tournoi Destination. Eh bien merci Rémi. La CAN justement, on en reparle sur Skyrock dans quelques secondes. Il faut quand même que je vous annonce un truc, je ne l'ai pas dit ce matin. C'est parti, c'est la journée sans portable. Une journée sans portable qui dure 3 jours. Déjà les mecs qui ont inventé ça. Ça a commencé hier, ça se termine demain. 3 jours sans portable, vous tenez ou pas? Moi je tiens pas. Non, jamais. Non, jamais. Combien de temps vous tenez si vous n'avez pas votre smartphone? Ouais, 2 heures. Deux, trois heures. Voilà, une demi-journée, ouais. Ah, tu tiens une demi-journée? Bon, c'est occupé, ça, ouais. Bah, moi, si je l'oublie le matin, je suis mal toute la matinée. Ah, mais de ouf, ouais, bah, bien sûr. Sérieux, hein. On est vraiment addict. Si t'étais à poil. Ils nous ont rendu accro, hein. Hein? Comme si t'étais à poil un peu. Ah, non, mais c'est moi, il manque un truc. Si j'ai pas mon portable, je vous le dis, je suis complètement addict. Ah, mais deux à tout le monde. Même si, toi, ce matin, je l'ai pas regardé. Tiens, je vais regarder. Qu'est-ce qu'il y a dans le portable? Y a qui t'a envoyé un message, Ariana? Non. Kim K. Affida Turner. Encore mieux. On monte en gamme. Non, mais c'est vrai, on est complètement addict au téléphone. Dites-nous combien de temps vous tenez sans votre téléphone. Et est-ce que vous feriez cette journée sans téléphone mobile et smartphone? Les créateurs de cette journée qui dure 3 jours ont une vision très positive du téléphone parce que pour eux, ils disent terminer les réseaux sociaux, le harcèlement, les thèses complotistes, la solitude à distance, la surexposition aux écrans, le copier-coller sur Wikipédia, les objets connectés, adieu la 4G, la 5G, etc. C'est la 5G. Non, mais c'est bien un portable. C'est cool. T'as accès à plein de trucs, tu peux communiquer avec plein de monde. Si tu galères, tu peux envoyer des messages à Skyrock en plus. Évidemment. Imaginez, vous n'avez pas de portable, peut pas nous envoyer de messages. On va reparler ce matin, tiens. Combien de temps vous tenez sans portable? A priori, pas beaucoup. Moi, je suis complètement drogué. C'est le message de monsieur là sur l'application Skyrock. Salut monsieur, t'es drogué à ton portable. Impossible sans mon téléphone, je peux plus vous écouter. Cécilia du 18, salut à toi Cécilia. C'est vrai, on peut aussi écouter la piste Skyrock, elle est magnifique, la piste Skyrock, téléchargée et envoyez-nous vos messages. Et sinon, vous avez le 06 86 101 101 pour, avec votre portable, nous envoyer vos WhatsApp audio ce matin. Et justement, on fera un point dans un instant sur ce qui vous énerve au travail. C'est notre grand référendum ce matin. C'est ça, ouais. Comment faire sans portable pour voter pour le grand référendum? Pas possible, hein? Bah non, du coup, c'est mort, là. Bon, allez, on est premier sur le foot et on va saluer la fin de la CAN ce matin. Il s'est passé plein de choses à la CAN. Skyrock est donc premier sur la CAN et premier sur le foot, bien sûr. Alors la CAN avec plein de choses qui se sont déroulées hors terrain, on vous a dit, donc ils ont repeint les pelouses pour qu'elles soient vertes. C'est ça. Ouais, pas mal, ouais. Parce que bon, il y a certaines pelouses qui n'étaient pas en état, ça arrive partout. Hein. Bien écoutez, ils ont de la peinture, ils sont bien à la CAN, ils ont prévu la peinture, tout va bien. Ils ont prévu la peinture, par contre ils n'ont pas prévu un DJ qui assure. Ça c'était lors du match contre la Gambie, c'est l'équipe de Mauritanie qui était donc opposé à la Gambie. Et là, ils ont été incapables de mettre l'hymne de Mauritania. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, vous avez vu ça? Ah, écoutez. C'est pas le bon hymne. C'est pas la Mauritanie. Vous êtes trompés, les gars. Mauvais hymne. Mauvais hymne. Allez, on retente le coup. Ah non, c'est pas le bon non plus. C'est le même. Ouais, c'est pas le bon. C'est un jour sans. Oui. Allez, on va dire que c'est un jour sans. On attend les... Oui. L'hymne national de la Mauritanie, ouais. Le bon, si possible. Jamais 203, allez, on recommence. Non, c'est pas le bon. Il y a un problème là. Oui, c'est pas le bon. Non, c'est toujours pas la bonne cassette. La bonne cassette. Ah ouais.
Finalement, on n'aura même pas d'hymne national pour une rencontre internationale. Il n'y a pas eu de hymne. Ah, il n'y a pas eu d'hymne au final. C'est ouf ça. Et les arbitres, l'arbitre exceptionnel, le meilleur, c'est l'arbitre du match Mali-Tunisie, vous vous en rappelez. Ouais. Le mec a arrêté le match à la 85e minute. Il a sifflé la fin du match, là. 85e. Attends. C'est une erreur, c'est une erreur. Incroyable. Incroyable. Mais je suis pas fou, il a sifflé la fin du match, là. Ouais, incroyable. Il était parti pour siffler la fin du match. Incroyable. Ouais. Mais j'ai jamais vu ça. Non, mais on n'a jamais vu jamais. Ça. Jamais, jamais. Il l'arrête à la 85e et il le réarrête à la 89e. Il était fatigué, hein. Je pense, ouais. Il a dit qu'il avait pris un coup de soleil. Une insolation. C'est ça, un coup de soleil sur le crâne, une insolation. Mais pas de temps additionnel. Mais c'est fou. Il n'y a pas de temps additionnel. C'est fou. C'est fou. La fin du match est sifflée. Incroyable. C'est pas terminé. Il était fatigué, il voulait rentrer à la maison. Hein. Et Sofiane Boufal, qui nous a bien fait rigoler. Sofiane Boufal, qui joue à Angers et qui jouait pour l'équipe du Maroc. Bon, un journaliste lui pose une question. Bon, en arabe. Sofiane, كنت نجم المباراة أحسن لاعب مباراة وصاحب هدف الفوز. En français, s'il te plaît. Oui, vas-y, tu en français. La galère, là. C'est en arabe, je comprends rien. Fais-le-moi en français. Et puis, il y a eu des cas de Covid. Alors, Pierre-Éric Aubameyang, Aubame, d'ailleurs, qu'on avait eu dans la radio libre, on l'embrasse, ouais. Aubame. Et Marco Lemina, qui ont quitté officiellement Mario, la sélection. Mario. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, Marco, mais c'est pas grave. C'est Mario. Mario Lemina, qui ont quitté la sélection après avoir contacté le Covid. Alors, il se dit qu'ils ont contacté le Covid parce qu'ils ont profité un peu des spécialités locales. Un petit peu. C'est ça, ouais. Et notamment des filles du coin, qui étaient sympas comme tout. Des femmes. Mais c'est important. Pour se mettre. Mais ils ont démenti les joueurs. Pour se mettre en situation, ils après, ont démenti. Ils vont pas dire oui, c'est vrai quoi. Oui. Ils sont mariés. Oui, ah, ils sont mariés. Ah, oui, en plus, ah, bah, mariés, oui. Obama. Obama, non, mais Lemina, ouais. T'as raison ouais. d'en profiter, Obama. Avec l'ex de Balotelli. De Balotelli, ouais. Voilà, bah c'est bien. Bon, il s'est passé plein de choses. C'était la CAN, c'est fini. On attend la prochaine avec impatience. Mais vivement, ouais. Allez, ouais. Vous attendez peut-être avec impatience qu'on vous appelle. Là, c'est l'heure de gagner les 1500 euros et on prépare nos double appels. Ah oui, double appel inédit à retrouver dans 5 minutes. Là, le temps d'écouter Naps et Gims. On aura aussi le son de The Weeknd, le nouveau à écouter tout à l'heure et Orelsan. Orelsan que vous gagnez sur Skyrock. Hein, on a des places de concert pour les concerts, tous les concerts, même les concerts complets. Pratiquement tout complet, Orelsan. Ah, quasiment, complet, oui, hein. Quasiment, ouais. Bon, Orelsan, vous le gagnez dans la journée sur Skyrock, dans le morning aussi. Restez bien avec nous, on l'écoutera avant 8h. Et là, 1500 euros comme promis. Et toi, comment tu vas ce matin? Je suis trop dans ma bad life. Bad life. Mais non, t'es pas dans ta bad life. Tu peux gagner 1500 euros maintenant sur Skyrock. Mais oui, c'est la best life sur Skyrock. 1500 euros à gagner. On va dans le 78. Et on va à Trappe. Si vous nous écoutez à Trappe, il y a 1500 ouais. balles. Chez la famille Amena. C'est Karim Amena qu'on a tiré au sort. Tiré au sort dans l'annuaire. Vous savez comment ça marche. On vous tire au sort. Vous répondez Skyrock. Le morning. Vous gagnez 1500 euros. Allô Karim. Non, c'est... C'est Karima. Ah. Hey. Bonjour Madame Amena, c'est la radio au téléphone, on est en direct. Elle a raccroché. Ah, elle a raccroché, elle n'a pas aimé ma blague. Elle était si drôle. Ah ouais, pas mal, ouais. Bon, désolé pour la famille Amena, on garde le chèque et on vous amène le chèque direct à la maison si vous répondez Skyrock. Prochain rendez-vous après les infos de 8h. C'est quoi la best life? Écoutez le message de Momo et sa best life à lui à 7h48. Salut la team, c'est Momo du 82. Bah écoutez, bah moi ce matin j'avais juste envie de vous dire allez Sénégal. Ah. Voilà, pour la première fois de notre vie, on est champion d'Afrique. On est tout discret. Bonne journée à tous et bonne émission. Bisous. Bisous. Allez Sénégal. Ouais, ouais, Sénégal. C'est ça la best life. Et alors la best life au boulot. Ah ouais, la best life au boulot, c'est sans les situations agaçantes au taf. Et justement ce matin on en parle, les trucs qui vous énervent au taf. Alors on a eu le grand sondage dont je vous parlais tout à l'heure avec les collègues qui viennent malades au travail en premier. Ouais, c'est en tête, ça. Ça n'existait pas dans le classement de l'année dernière, c'est tout nouveau. C'est passé de je n'existe pas à la première place du classement. Ouais, c'est ouf hein. C'est l'effet Covid. C'est ça. L'effet Covid. L'effet Covid. Et on vous a demandé vous qu'est-ce qui vous énervait au taf. Un petit point sur le référendum comme promis. Ouais. Guigui. Et on écoutera les WhatsApp tout à l'heure aussi. Allez, sur plein de messages que vous nous avez envoyés sur ce qui vous énerve au taf. Ouais. Ça donne quoi le classement? Alors pour l'instant, notre référendum, à la première place, on a les collègues qui foutent rien. Ouais, ça c'est insupportable. Ouais, c'est ah ouais, ça fait chier. Ouais. Toi, tu taffes et les collègues, ils en ont pas une. Et ça, c'est horrible. Et en deux, c'est quoi? C'est les collègues qui te balancent parce que tu en branles pas une? Alors, non, rien à voir. En numéro deux, c'est les problèmes informatiques. Ah. Quand t'as une machine qui fonctionne pas, un ordinateur qui marche pas non plus, un téléphone aussi. Moi, y a rien qui m'énerve plus qu'un appareil qui ne fonctionne pas parce que la seule fonction de l'appareil, c'est de fonctionner. Ouais, mais tu connais, des fois, ça peut bugger, avoir un petit souci. Coup de pied direct. Voilà. Ouais, mais quand ça bug tous les jours, à un moment, je te dis, tu pètes ouais, effectivement. Et il faut la trouver une technique, il frappe dans le matériel. Voilà, exactement. Comme ça, il est achevé définitivement et après on le change. Oui. Et en numéro 3, c'est les collègues qui puent.
Ah, les collègues qui sentent mal. Voilà. Message d'Emilie. J'ai un collègue au travail qui pue. Oui. Mon collègue se lave très peu. Il le dit lui-même que c'est pas bon de prendre des douches tous les jours. Ah, le mec le dit. Je vous laisse imaginer l'odeur. Bien sûr. Oh. Bon courage, Emilie. Bon courage à toi, Emilie. Vous votez avec le hashtag Morning de Difool sur Twitter, le 41759, le skyrock.fm. Et puis vous envoyez vos messages au 06, les WhatsApp audio. Hein. 06 86 101 101. Les gens qui te critiquent en font moins que toi pour Dark Wide. Là, je suis sur Twitter. Je regarde un petit peu ce qui se passe. Ah, il y a C4 Médable qui nous dit les gens qui parlent fort au milieu de l'open space. De l'open space. Moi, j'aime pas les open space. Okay. J'aime bien avoir ma petite intimité. D'ailleurs, je vais me faire un petit bureau pour faire le morning le matin pour être séparé. Tout seul, ouais. Ma collègue qui regarde toujours l'heure, elle m'énerve. Message de Monf91, encore sur Twitter. On a toujours regardé l'heure, là. Salut, Monf. Ouais. 7h50, bah, c'est l'heure du double appel. On a l'effet de regarder l'heure. Double appel inédit à retrouver tout de suite sur Sky. La France est sur écoute. Non, mais ça va pas, là, non, on est au moins à 3 sur la ligne, là. Bah, mais qui êtes-vous, monsieur, s'il vous plaît? Ils comprennent pas toujours ce qui leur arrive. Vous allez arrêter, là, c'est bon. C'est le double appel de Difool sur Skyrock. Allez, notre double appel pour nous mettre de bonne humeur dès le matin. Double appel inédit qu'on retrouve tout de suite. On a testé les familles juste avant de les appeler pour bien vérifier qu'il y ait du monde. Et là, a priori, il y a du monde qui va nous répondre. Voici donc notre double appel. Attention, attention. Il y en a même plein de numéros, donc c'est même un multi. Un multi-appel qu'on va vous proposer. Et en guest dans ce multi-appel, Cédric qui sera là avec nous. C'est Cédric. Exactement. Cédric qui peut venir déguisé, hein, vous le savez. Ah bah, Michel au téléphone. Oui, Cédric, Michel, Patrick aussi. Patrick le pervers. Absolument, voilà, oui. Allez, c'est parti. Allô ? Oui, j'écoute. Bah, moi aussi. Ça vient de venir chez moi, j'écoute. Oui, mais c'est qui, s'il vous plaît ? Bah, écoutez, vous venez de m'appeler, alors je vais. Ah, mais non, c'est pas moi qui vous ai appelé. Ah, bah, oui. Mon téléphone vient de sonner, alors j'ai décroché. Qui c'est qui est là? Il faut arrêter de sonner, là. Hein. Oui, qui t'a l'appareil? Patrick. Patrick qui? C'est qui? Le pervers. Bah. C'est qui? Mais vous m'appelez, mon téléphone vient de sonner, donc je vous réponds. Ah non, vous m'avez pas. Moi, j'ai pas appelé personne. Ah bon? Alors, le téléphone, il a sonné tout seul, alors. Ah ben, écoutez-moi, excusez-moi, mais moi, ça fait deux fois qu'on a des appels masqués, et il y a personne. Moi, c'est des appels privés, alors, comment ça me casser les couilles, hein? Ah, allez, non, écoutez, oui, faut m'emmerder, là. Oh, mais monsieur, vous n'avez pas appelé? Bah non. C'est vous qui voulez vous sonner, là. Ah non, moi j'ai pas appelé, madame. Hein. Le téléphone, il a pas sonné tout seul, écoutez. On a 80 ans, le téléphone, il sonne, on décroche, on dit allô, il est tout. Hein. Ben, moi aussi, il vient de sonner, puis je décroche. Ah, c'est marqué appel masqué. Ah non, moi j'ai appelé personne. Ah, écoutez, c'est pas moi, madame, je suis désolée. Hein. Allô, écoutez. Voilà. Vous êtes dans quelle région? Ben, je sais pas, puis il y a derrière, il y a quelqu'un qui parle. Allô? Il y a quelqu'un qui dit allô derrière, c'est un monsieur. Allô? Allô? Bon, bah écoutez, je raccroche, je sais pas. Allô? 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 C'est qui dit allô? 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 Qui dit allô? 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 Ouais? Allô? Allô? Allô, ma gueule! Ta gueule, ordure! Ta gueule, bah c'est quoi? Allô? C'est qui là? Allô? C'est Cédric. C'est qui Cédric? C'est Cédric. C'est qui Cédric? Patrick. Un coup Patrick, un coup Cédric, c'est quoi ce bordel là? Hein? C'est pas grave, moi je suis sur écoute, ça me gêne pas. J'ai pas entendu, excuse-moi. Non mais moi je suis sur écoute, monsieur. Hein? C'est pourquoi, monsieur, là, il y a un truc qui va pas là? Ouais, je suis à poil là. Hein? Allez, salut, pervers. Bon. Ordure, en prison, tu vas aller, tu seras bien pour crever. Oula, oula, oula. Tu seras bientôt crevé. Voilà, on termine en beauté. Double appel et un nouveau double appel, encore inédit là. C'est l'heure. Bon. Ah, c'est la folie, c'est pas fini. Dans moins d'une heure, le double appel revient et tout de suite l'horoscope de l'amour. Tu veux savoir comment va se passer ta journée? C'est l'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et ouais, on découvre tous les matins juste avant 8h l'horoscope. L'horoscope à 7h54 et avec les meilleurs de ce jour, les meilleurs de ce lundi. Les poissons et les capricornes.
Capricorne, on démarre super bien la semaine, on est en pleine forme. Un seul mot pour nous décrire en ce lundi, irrésistible. Les Capricornes, les poissons, les capricornettes et les poissonnes, profitez bien, 5 sur 5, meilleure note du jour. C'est très bien aussi pour les cancers et pour les vierges. Si vous êtes célibataire, une rencontre est possible aujourd'hui. Un petit conseil, allez faire un tour sur les réseaux, c'est là que ça risque de se passer. En couple, vierge et cancer, pardon. Votre bon sens vous aidera et aidera votre partenaire à prendre une décision importante. Tout va bien. Les béliers, les taureaux, c'est bien aussi. Hein. Vous avez 3 sur 5, vous serez cool, sympa, agréable avec les autres et ils vous le rendront bien. Les scorpions et les verseaux, vous avez 2. Vous n'allez pas vous ennuyer aujourd'hui. Vous n'aurez pas une minute à vous, en gros. Hein. On ne s'ennuie pas. Une semaine qui démarre sur les chapeaux de roue. Mais globalement, vous arriverez à gérer malgré tout ce que vous avez à faire. Les lions et les balances, vous avez 1. Évitez de prêcher le faux pour savoir le vrai. Allez, droit au but, comme l'OM. Comme l'OM, voilà. Droit au but, si vous avez quelque chose à demander, tournez pas autour du pot. Et pour finir, les gémeaux et les sagittaires, vous avez 0. Mais heureusement, Skyrock est là avec les bons conseils du jour. Il faut pas trop s'inquiéter pour ceux que vous aimez aujourd'hui. Ça pourrait les stresser, ça pourrait vous stresser vous aussi. Pas de stress, faites confiance à vos amis, à vos amours. Et faites confiance à la vie. C'est beau ça. Allez, The Weeknd, j'avais promis, on va l'écouter, The Weeknd. On va écouter plein de sons d'ailleurs. The Weeknd avec Sacrifice, le nouveau du Orelsan avec des places pour Orelsan à gagner tout au long de la journée. Et puis Nino qu'on retrouvera pour le réveil de Star et qu'on va retrouver avec un extrait d'album Réfé. Restez bien sur Skyrock, il est 8h-4. Tous les matins, c'est le morning de Default sur Skyrock. J'écoute le morning de Default dans toute la France. C'est là qu'ils foncent. C'est le morning de Default sur Skyrock. Ils sont prêts à tout pour te réveiller 6h-9h tous les matins. Premier sur ton réveil. Et ouais, bon morning, bon réveil sur Skyrock, il est 8h03. Bonne journée, la journée démarre bien. Il y a Rémi qui arrive pour les infos. On va tout savoir. Il sort des toilettes, il arrive. Il lave les mains. Il sort de la rédaction, on dit. Oui. Il sort de la rédaction de Skyrock avec toutes les nouvelles toutes fraîches qui arrivent dans un instant. On va revenir sur les trucs qui vous énervent au boulot, les situations agaçantes au boulot, avec une étude toute neuve qui est sortie aujourd'hui. Et on va vérifier ça avec notre grand référendum. Il y a énormément de messages, vous laissez votre avis, ça fait du bien de se lâcher un petit peu. Les trucs qui vous énervent au travail, on en reparle avec vous. Et comment faire le buzz dans les transports? Tiens, je voulais vous demander aussi ce matin, est-ce que vous avez déjà vécu une scène un petit peu bizarre dans les transports? Ce qui est bien dans les transports, c'est qu'on rencontre plein de gens, en bien ou pas bien d'ailleurs, parce que bon, il peut y avoir des situations un peu bizarres. Parfois un peu spéciaux. Il y a un gars qui a fait le buzz dans les transports lyonnais, les TCL, et on va tout vous dire dans un instant comment faire le buzz dans les transports. Et si vous avez vécu une situation un peu bizarre, eh bien on vous attend en direct au 06 86 101 101, l'appli Skyrock, le 41 759 pour nous laisser vos messages. Et allez-y, profitez bien. Vous pourrez peut-être gagner votre PS5, encore une PS5 qui est mise en jeu comme tous les matins sur Skyrock, vous la gagnez en fin de morning. Il suffit de participer au morning, nous laisser vos messages au petit WhatsApp audio. Allez-y, vos 1 500 € à gagner. Et puis du gros son à écouter, un Nino qui arrive, un extrait de l'album de Réfé. Il sera là dans le réveil de Star, c'est Nino qui réveille les Français aussi. On se prépare. Qu'est-ce qui se passe? Tu étais attaqué par Medellin. T'as sauté dessus. Ouais. C'est parce que t'as un truc à bouffer, ça, obligé. Ah, c'est ça, ouais. Nino pour le réveil de Star, on va le retrouver. Et puis l'embrouille du week-end à retrouver aussi avant 8h30. Ne la loupez pas, celle-ci, elle est exceptionnelle. Et The Weeknd à écouter, comme promis. Allez, les infos, Rémi, c'est parti. 8h04, l'actu, le sport et la météo de ce lundi. Comment va-t-on démarrer la semaine? Eh ben, plutôt bien, là. C'est vrai qu'on a une perturbation ce matin qui se promène un petit peu des Alpes à la Bourgogne-Franche-Comté. On va la retrouver un peu plus tard entre l'Aquitaine et Midi-Pyrénées. Mais de manière générale, ce sera quand même une journée agréable. On peut avoir quelques nuages, voire un petit peu de pluie ce matin, notamment sur la Bretagne. Ce sera de l'histoire ancienne cet après-midi. Le soleil s'imposera sur les deux tiers du pays. On aura du vent près de la Méditerranée. La Haute-Corse est en vigilance orange. Les températures entre 0 et 10 degrés, 2 à Lille, 6 à Lyon et à Paris ce matin, 9 à Marseille, 6 à Langres cet après-midi, 18 à Bastia, c'est la maximale, il fera 7 dans la Loire, on aura 8 en Bourgogne, 9 sur l'Alsace, 10 en région parisienne et près des frontières du Nord, on aura 11 en Normandie et en vallée du Rhône, 12 sur la Haute-Garonne, 14 sur le bassin aquitain et 17 si vous êtes du côté de Nîmes, les arènes de Nîmes aujourd'hui. La pollution c'est plutôt moyen, les indices entre 3 et 5. Bien, on salue les chauffeurs de bus qui nous écoutent, Brian qui nous écoute dans le bus au Luxembourg, chauffeur, changez
changez pas, on change pas, t'inquiète. Jérôme dans le 13, big up à toi Jérôme. Il y a Hamid du 5-9 qui est dans son bus et qui nous écoute aussi. Bonjour les bussiers et les bussières. Et le poisson d'actu tout de suite avec toi Rémi. À quel protocole pour le Covid dans les écoles? On en saura plus demain, certainement. Une réunion est prévue entre les syndicats et les ministères de la Santé et de l'Éducation. Les règles pourraient être assouplies au retour des vacances de la première zone. Parmi les pistes privilégiées, la levée du port du masque en primaire ainsi que l'adaptation de la politique de dépistage. On peut aussi s'attendre à un allègement des contraintes des pratiques sportives. 40 minutes de conversation téléphonique pour se coordonner. Emmanuel Macron et Joe Biden se sont parlé hier soir alors que le président a rendez-vous ce soir, là, tout à l'heure, avec Vladimir Poutine. Déplacement en Russie avec pour objectif d'obtenir une désescalade des tensions avec l'Ukraine. Il s'y rendra d'ailleurs demain en Ukraine pour s'entretenir avec son homologue Zelensky. 100 000 soldats russes sont massés à la frontière. Certains observateurs craignent une opération militaire massive. L'affaire Orpea qui semble faire tache d'huile. Une avocate annonce qu'elle va lancer une nouvelle procédure collective visant cette fois-ci Korian. Il s'agit du premier groupe privé français de maisons de retraite. L'avocate aurait recueilli des dizaines de témoignages accablants de familles de résidents. L'ensemble des plaintes sera déposé en avril prochain. 150 pompiers mobilisés hier pour maîtriser un incendie qui a ravagé un hôtel particulier classé du 7e arrondissement de Paris. Le bâtiment était en travaux, personne n'a été blessé et à 19h30, tout semblait sous contrôle. Elle sort pour la première fois d'un long silence et c'est un journal français qu'elle a choisi. La joueuse de tennis chinoise Peng Shuai avait inquiété la planète après avoir disparu. Souvenez-vous, elle avait publié puis supprimé des réseaux un message où elle accusait de viol l'ancien premier ministre chinois. Dans L'Équipe, la joueuse trouve exagérées les inquiétudes quant à sa disparition qu'elle nie. Elle explique que son poste a donné lieu à un énorme malentendu. Ouais. On fait le point sur le sport maintenant, le vrai. La 23e journée de Ligue 1, très belle victoire du Paris Saint-Germain 5-1 contre Lille. Les Parisiens qui confortent leur première place du classement devant Marseille et Nice. La belle opération aussi signée par Reims qui s'impose 5-0 contre Bordeaux. Bravo aux Rémois. Lorient s'impose 2-0 contre Lens. Même score de Rennes contre Brest. 1-0 en faveur de Strasbourg contre Nantes. Même score pour Clermont contre Nice alors que Troyes et Metz se neutralisent 0-0. Le Tour d'Europe des stades, 23e journée de Liga. Belle victoire du Barça 4-2 contre l'Atlético Madrid. Le Real s'impose timidement 1-0 contre Grenade. La Maison Blanche reste leader devant les deux équipes de Séville. En Allemagne, gros match entre Dortmund et Leverkusen. Avantage pour le second qui s'impose 5-2. En Italie, Naples a gagné contre Venise 2-0. Même score pour la Juve contre Vérone. Au classement dans l'ordre, Inter, Naples et Milan AC. Et puis le 4e tour de la Cup, victoire de Liverpool 3-1 contre Cardiff. Enfin, inutile de vous rappeler que le Sénégal a gagné sa première canne. Et oui, bravo le Sénégal, on en parlait tout à l'heure et on en reparlera tout à l'heure à 8h30, il est 8h08 sur Skyrock. Bonne journée, bonne chance pour les 1500 euros. Et oui, 1500 euros à gagner toutes les demi-heures, c'est pour vous. On n'a pas encore eu de gagnant ce matin. Non. Peut-être dans un instant, encore, préparez-vous. Ouais. Le téléphone va sonner, vous répondez Skyrock. Dès qu'on vous parle radio, téléphone, Skyrock le morning, c'est 1500 euros à gagner toutes les demi-heures, tous les matins. Et comment faire le buzz dans les transports? Eh bien, c'est simple. Vous faites pipi dessus. Ah, c'est une bonne idée, ça. Vous êtes assis, vous faites pipi dessus. C'est un gars avec une casquette, normal, habillé normal, cool. On va vous mettre la vidéo, d'ailleurs, sur les réseaux, sur l'Insta du Morning, allez voir. Un homme assis dans le métro, qui fait pipi devant tout le monde. Alors, il y a des passagers choqués qui ont évidemment filmé la scène. C'est pour ça qu'on l'a récupéré. Eh, 500 000 fois, elle a été vue, la scène. Tu deviens célèbre. Fais-toi pipi dessus, tu vas devenir célèbre. Tu vas devenir un influenceur, comme Valéa Guenam et tous les autres. Les transports lyonnais, les TCL ont réagi à ces images. On déplore de ne pas avoir été averti, car on aurait pu faire intervenir les équipes de contrôle. Il n'y a rien à contrôler, il s'est pissé dessus. Le contrôler pour nettoyer. Ah si, si, en cas de souillure, la rame aurait pu être isolée et faire l'objet d'un nettoyage particulier. Ah bah s'ils isolent les rames chaque fois qu'il y a du pipi dedans, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de rames qui vont galérer. Vous avez vécu des moments un petit peu spéciaux dans les transports. Vous témoignez, vous nous laissez vos messages en direct. Tiens, je vois le message de Strissam qui nous dit: moi, j'ai déjà fait l'amour dans un bus. Ah, faut nous raconter ça. C'est un bus, quand même. Encore le métro, tu sais, un métro automatique où t'as pas de chauffeur et tout, pourquoi pas. Mais il y a des caméras. Il y a des caméras, ouais. Tu finis sur. Ah bah là, tu deviens célèbre aussi. Là, tu deviens aussi une star, là aussi, ouais. Tu fais le bus, tu finis sur Pornhub. Mais un bus, t'as le chauffeur quand même au bout du bus, bon, c'est quand même pas terrible, quoi. Moi, j'ai vu une meuf dans le train, vidanger un mec. Le train des services, ouais. C'est gentil.
C'est sympa, c'est sympa à elle. Voilà, petite vidange dans le train, comme ça après le train roule devant bien. Tout le monde. C'est bien, vous avez vu des trucs bizarres, vous nous faites signe, vous nous racontez tout ça. Moi allez, je prenais le bus avec un mec qui dansait tous les matins, enfin très souvent. Ah ouais. Et de la musique. Bah en fait il avait son casque, bon son casque il marchait pas trop donc on entendait ce qu'il écoutait. Et tu vois, bon en général le bus le matin tu sais il est blindé. Et lui t'es là comme ça, il dansait et tout machin. Et tu sais il poussait un peu tout le monde, mais il était dans son délire, tu vois, il a poussé. Et les gens ils. Bah il y en a qui parfois ça s'embrouille un peu avec lui, mais bon moi j'étais au fond du bus, je regardais la scène, je disais bon, lui il est un peu particulier, je le laisse dans son délire. Il mettait l'ambiance. Ouais, il met l'ambiance, ouais. C'est vous, c'était la folie quoi. Bon, on en reparle avec vous, 06 86 101 101 pour les WhatsApp que vous voulez nous envoyer, puis sinon l'appli Skyrock, vous nous envoyez tout ça. Et on va vous appeler là maintenant, comme promis, avant d'en trouver Nino pour le réveil de Star, avant d'écouter Réfé aussi, et The Weeknd qui arrive juste après les 1500 euros. Tu manques de quoi ce matin? Aucun pesos, aucun dinar. T'inquiète, Diffoul t'arrange ça et te file 1500 euros. T'as juste à répondre Skyrock. Et ouais, vous répondez Skyrock, vous gagnez 1500 euros et on a tiré quelqu'un qui habite dans le 33. On va en Gironde et on va à Bigaros chez la famille de Souza. 1500 euros à gagner chez les deux Souza. Allô, allô. Elles sont là. Ouais. Allô, Jonathan de Souza. Oui. Oui, bonjour Jonathan, on est en bonjour. Direct. Bonjour. On est en direct à la radio, Jonathan, t'as tiré au sort. Bonjour. Oh, bonjour, bonjour au bébé. Bonjour. C'est qui le bébé? C'est mon fils. Et comment il s'appelle? Leandro. Leandro. Comme Michael. Leandro, Leandro. Ah, Leandro. Ah, de Souza. Leandro de Souza, il s'appelle. Eh, si. Alors, Jonathan, faut qu'on se présente quand même, on est en direct à la radio. Oui, je sais qui c'est. Ah, tu sais qui c'est. J'étais en train d'écouter, je l'emmène à l'école là et j'étais en train d'écouter. Et t'es à Biganos, toi, hein, c'est ça? Alors, je suis oui. Alors, je vais te poser une question. Je suis dans le bassin d'Arcachon. Ah, on salue le bassin d'Arcachon qui nous écoute à fond, je le sais. On va voir si tu nous écoutes ce matin. Il faut répondre à une question pour gagner 1500 euros. Si tu me dis quelle est ta radio préférée, si t'as la bonne, tu gagnes. Skyrock. Jonathan et Leandro, vous gagnez 1500 euros, c'est bon, c'est fait. Ouais, merci. Eh ben bravo, il est bien joué. Il est content le petit, il est passé à la radio, ouais. Il a gagné 1500 euros. Il a quel âge? Il a 4 ans. Combien? 4 ans. 4 ans, très bien. C'est sûr. Hein. Ah, t'es sûr, ouais. 5 ou 4. On a senti le petit doute hein, quand même. Hein. Et ben, ouais, tu, et ben, 4 tu lui ans, dis, ouais. Ça rappelle même 4 pas. Ans, ouais. Et tu lui diras qu'il est passé à la radio et que papa il va lui faire plein de cadeaux parce qu'il papa, a gagné. Il est passé à la radio, bébé. Eh oui. Sur Skyrock. Et dis-lui que t'as gagné plein de sous pour lui acheter plein de cadeaux. Oh, j'ai gagné plein de sous pour t'acheter plein de cadeaux. Il rigole. Je comprends, il est content. 1500 euros, bah bravo, ça fait plaisir, Jonathan. Bravo à merci. Toi. Merci. Merci. Tu fais quoi dans la vie, toi? Là, je suis plombier. Ah, ça plombe chez toi, c'est bien. C'est ça. Eh bien, Jonathan, un chèque de 1500 euros pour bien démarrer la semaine. Tu sais ce que tu vas faire à part des cadeaux à Leandro? Bah, je vais essayer de mettre un peu de côté pour partir en vacances. Ouais, c'est bien ça, c'est une bonne c'est idée. Cool, ouais. C'est une bonne idée, Jonathan. Bah, ça nous fait plaisir, un premier gagnant. Oui. T'es le premier gagnant de la semaine en plus, Jonathan. Merci. C'est pas fini, pas le dernier. Hein. Il y en aura peut-être un autre tout à l'heure. Peut-être vous qui nous écoutez. Après les infos de 8h30, encore 1500 euros à gagner. Tu quittes pas, Jonathan? On t'envoie le chèque à la maison. Qu'est-ce qu'il demande, le petit Leandro? Il veut 1500 plus. Ouais. Ah, il veut quoi, on n'a pas entendu? Il veut que j'achète un nouveau téléphone. Ah bah tu sais, c'est ça. Il est chaud, hein, le petit. Hey, il passe la commande déjà, le petit. À 4 ans, vas-y, tiens, un iPhone, allez, c'est parti. C'est bien, c'est ça. Bisous, Jonathan, bravo à toi. Merci. Salut, Jonathan. Ciao. Salut. Le son de The Weeknd sur Skyrock, Sacrifice, un son que vous avez découvert en exclu dans le morning. Mais oui, les nouveautés, vous les découvrez en vous réveillant sur Skyrock tous les matins. Il est 8h17 et on va parler des trucs qui vous énervent au boulot. Avant d'aller faire un tour dans les transports et des moments bizarres que vous avez vécu dans les transports avec des gens chelous. J'aime bien quand on parle des gens chelous. Comme ça, après, on a l'air normaux. Ouais, c'est ouais. Vrai. Ouais. Non, mais bah, c'est forcément. Vrai. Tu parles de quelqu'un qui est complètement dingue, l'autre qui se pisse dessus, par exemple. Moi, j'ai fait des trucs bizarres, mais jamais je me suis pissé dessus dans un bus. Non. Eh ouais, il est en vidéo d'ailleurs, hein, pour aller ouais. Le mater. Mais d'ailleurs, la vidéo se passe. En fait, c'est même pas genre il est défoncé et il se pisse dessus sur. Excusez-moi, il y a Medellin qui est en train d'essayer de choper un pigeon sur le balcon. Ah, attention, ouais. On est quand même au 8ème, Medellin, déconne pas. Oui, fais attention. Déconne pas. Oui, et non, en fait, c'est pas il se pisse dessus, hein. C'est en fait, il sort son zizi. Oui. Et il pisse dans les transports, mais. Normal. Ouais, tu vois, mais c'est un ouf le gars, tu vois. Genre, moi je pensais qu'il était défoncé et que simplement il pissait sur son pantalon, mais pas du tout. Il est tranquille quoi. C'est pour ça qu'il faut aller mater les vidéos. En tout cas, une vidéo ah ouais, qui fait là, 500 c'est... 000 vues, le mec est une star. Mais putain, il fait flipper le mec. Bon, dans l'équipe, on a des ouf, hein, tu sais, Romano du soir, il fait pire. Hein. Oui, il fait caca dans sa voiture, ouais, mais il embête personne, ouais, il est tout seul dans sa voiture. Bah, des fois, quand tu prends l'ascenseur avec ses voisins aussi.
Oui, si on peut considérer l'ascenseur comme un moyen de transport. Et le point tout de suite sur notre nos collègues de travail, le collègue de travail que vous supportez pas, les situations en général au boulot que vous supportez pas. Il y a pas que des collègues, mais c'est souvent les gens qui vous énervent. On a eu les messages que vous nous avez envoyés. Allez, on va faire un petit tour sur le WhatsApp audio et le message de Marion. Salut Marion, coucou. Coucou la famille, c'est Marion. Alors moi, ce qui m'énerve au boulot, c'est malheureux, mais c'est ma patronne. En dehors, elle est super gentille. Par contre, des fois au boulot, je me dis, mais elle abuse complet. Ah. Exemple con. Vas-y. On travaille en bijouterie. Quand elle m'a formée, elle m'a dit, oui, on perce les oreilles toute la journée, il n'y a pas de souci, tous les jours, nanani, nanana. Et maintenant, en fait, on alterne un jour sur deux quand on travaille. Et en fait, elle m'envoie tous les clients sur mes jours à moi. Elle leur dit qu'elle, elle peut pas le faire. Alors que c'est elle qui m'a formée. Mais c'est la patronne. Non, mais sérieux, quoi. Eh ben oui, mais je sais, Marion, ouais. t'as raison de te plaindre. Mais c'est la patronne. Je sais pas si on peut avoir, faire quelque chose. Ah, ça, ouais. C'est compliqué. C'est chaud, ouais. Quand c'est la patronne qui reloue, c'est plus dur. C'est plus compliqué. En tout cas, on te soutient. Tu peux difficilement la faire virer. Mais en tout cas, on te soutient. On te fait un gros bisou. Une autre protestation, un autre truc qui va pas, une autre situation agaçante, celle de Christopher. Écoutez ce qu'il vit, Christopher. Bonjour Difool, bonjour l'équipe, c'est Christopher du 69. Oui, alors pour ma part, ce qui m'agace le plus au travail, ce sont les clients qui pensent mieux connaître mon métier que moi et qui se permettent de faire des commentaires négatifs sur tout ce que je fais. Pour information, je travaille en tant que technicien chauffagiste, donc je m'occupe de tout ce qui est entretien de chaudière. Et ils se permettent de dire non, vous faites mal, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Bah oui. Ça, c'est le plus agaçant pour moi. Bah voilà, bisous l'équipe. Ma femme étant une chaudière elle-même, je m'y connais en chaudière, je sais comment ça marche, je sais comment ça se passe. Un autre problème que vous pouvez rencontrer au travail et qui vous énerve, écoutez Harmonie. Salut l'équipe, c'est Harmonie du 27. Alors moi, ce qui m'énerve plus que tout au travail, c'est ceux qui sont payés plus que moi et qui en branlent pas une. Ah là là, ça a le don de me mettre en rogne. J'ai le même problème que toi, Harmonie, avec l'ensemble de l'équipe. Ah évidemment. Eh bien sûr. Et oui. Ah oui. Ah oui. Évidemment. C'est très très énervant ça. Je te comprends Harmonie, je te soutiens, je te soutiens à fond Harmonie. Évidemment, évidemment. Il y a Sam qui nous a envoyé un message, c'est toi ? Non, moi je ne me plains pas moi. C'est bien Sam, tu as raison. Salut la famille, c'est Sam du 90. Ben moi ce qui m'énerve au boulot, c'est genre quand ton collègue il te dit ben je fais tout pour avoir le Covid, donc du coup ma femme comme elle est positive, j'arrête pas d'agalocher pour que la vie soit positive. Mais ça, comme ça je viendrai pas au boulot. Donc voilà, ça c'est le genre de truc qui m'énerve vraiment. Ah le mec fuis-le, ouais. Ah mais là c'est ouais lui c'est. Moi j'appelle ça des sans races. Des sans races, les gens comme ça. Sans races, c'est ça. Des sans races. Merci Sam, c'est super. Bon et Christelle pour résumer tout ça. Hein. Bonjour à tous. Bah moi ce qui m'énerve le plus au boulot, bah c'est les collègues. Voilà. Tout simplement. Si je pouvais bosser seul, ça serait parfait. Voilà, on salue tous tes collègues. Bon courage. Voilà, ils vont être bien accueillis ce matin. Merci Christelle et on fera un point sur le référendum. C'est le grand référendum du morning. Situation agaçante au boulot. On en reparle tout à l'heure là, juste après les infos de 8h30. Il est 8h21, c'est l'heure de retrouver notre réveil de star. Ça va nous mettre de bonne humeur, ça c'est parti. C'est Nino qu'on retrouve tout de suite. Il parle avec une star. Ça va quoi ? Mais ils ne savent pas. Franchement, je dois pas le quitter. Hein. Tiens, c'est Nino. C'est le réveil de star. Nino de Pudo. Seulement sur Skyrock. Eh ben Nino de Skyrock, il sera à Marseille, oui. Il sera à Lille, il sera à Lyon, il sera à Paris. C'est le réfé-tour avec Skyrock et il est ce matin dans les téléphones des Français pour les réveiller. Nino, c'est parti. On a réveillé Laurent et la famille de Laurent ce matin. Allô ? Allô ? Oui ? Oui, bonjour. Attends, c'est qui ? Va vous placer Nino ! Rico, qui est c'est Rico ? Attends, je m'en fous. Rico. Attends, Elodie, je te rappelle. Rico. Attends, j'ai du mal à t'entendre. C'est Nino. Putain, j'ai du mal à entendre. Tu vas pas téléphoner sur mon téléphone, là ? Ça dépend pourquoi. Non, mais le portable, parce que... Ouais, mais vas-y. Alors, 06. Ouais. 32 parce que j'ai du mal à t'entendre, c'est incroyable. Tu me rappelles ? Eh ouais. Ah, faut qu'on rappelle alors. Tiens. Allez, on rappelle sur le téléphone portable de Laurent, on entendra mieux peut-être. C'est pas Rico, hein, c'est Nino, attention. Nino chez Laurent. Ah. Allô ? Ouais. On m'entend là ? Ouais. Non, parce que j'entends rien, que téléphone de maison, j'entends rien du tout. Yeah. Ouais, vas-y parce que j'ai rien compris avec le téléphone, j'entendais rien. J'ai fait un peu de son, j'étais un peu dans certains studios. Ah bon ? Je me suis trouvé des petits talents. Hein. Ouais, t'écoute. On essaye de faire des petits plats. Ouais, t'as raison. Là, en ce moment, c'est gratin de saumon. Non, mais tu fous de ma gueule ou quoi ? Gratin de saumon, non. En ce moment, je fais ça. J'essaye de peaufiner mon truc. Bon, qui c'est qui me fait cette blague encore là ? Parce que j'aimerais bien savoir qui c'est. C'est Didio.
Mais je connais pas Nino. Mais je suis sur YouTube comme tous les autres. Bah, je peux pas. Je suis avec toi au téléphone. Je peux pas y aller sur YouTube. Attends, je peux pas y aller. Tu fais de la musique? Non. Moi, je suis pas question de musique, moi. Bah, j'aimerais bien, ouais, produire d'autres artistes. Pourquoi pas, tu vois. Tu rigoles, je connais rien du tout. En plus, question de musique, alors. Premier sur le rap. Bah, encore moi. vu mon âge. J'ai même plus à combien, hein. 56, hein. Non, tranquille. Tranquille, osmolos. Arrête tes conneries. Pétez sous vodka, j'oublierai tout. Ah bah ouais, avant je buvais de la vodka. Ah maintenant c'est terminé, maintenant c'est la vodka, c'est terminé, c'est le pastis maintenant. Je suis dans l'avion. Ah bon, là, arrêtez. Tu vas arriver où là-bas? Dès que j'ai un petit temps, tac, je passe. Ah oui, il y a la piste d'atterrissage derrière, ouais, c'est vrai, j'ai le beau jardin, ouais. Non, bon, quoi qu'il arrive, c'est une fête. Ouais, ok, pas de problème. A plus, bisous. Bisous, gentil bisous. Laurent. Ouais, tiens. Sympa Laurent, bon, qui ne sera pas rappeur, malheureusement. Allez. Bon, il est passé sur Skyrock quand même, hein. Premier sur le rap, Laurent et Nino pour le réveil de Star, il est 8h24. 6h-9h, seulement sur Skyrock. Le morning de Tifo. Ouais, les concerts Skyrock qui redémarrent, ça fait plaisir. On vous offrira vos places pour Aurel San tout au long de la journée sur Skyrock. Des places de concert à gagner pour Aurel. Et puis Nino qui se prépare, on en parlait il y a un instant, le Réfé Tour. Marseille, Lille, Lyon, Paris, ça tourne. Nino avec Skyrock et Nino que vous écoutez avec Réfé. Et attention, ouais. Elle est là. Good morning, Tifo. Bonjour, Afida. Bonjour. Good morning. Good morning, Skyrock. Et ouais. Salut. Quelque chose à nous dire, Afida? Fuck you. Ouais, elle est super. C'est Afida Turner qu'on va retrouver pour l'embrouille de ce week-end. Une embrouille en direct dans une émission à la télé. Et il faut découvrir maintenant l'invité mystère qui est le présentateur de l'émission. Attention, vous êtes prêts? Jingle. Allez. Devine qui c'est. C'est l'invité mystère sur Skyrock. Tu m'as reconnu? Cyril Hanouna. Et non, je ne suis pas Cyril Hanouna, mais c'est la famille Cyril Hanouna. Vous êtes le cousin de Cyril Hanouna? C'est ça, voilà, je suis le cousin de Cyril Hanouna, eh oui. Mais vous êtes très bienvenu. Eh bien, merci beaucoup, le présentateur mystère, c'est lui qui va nous présenter la star. Afida Turner. Afida Turner, elle-même, et c'est lui qui présente une nouvelle émission sur C8, c'est le samedi. C'est ça. C'est à l'heure de TPMP. TPMP People. C'est TPMP People. People. TPMP People. En prime time? Non, c'est pas un prime time, non, c'est pas un prime time. Vous avez reconnu notre invité mystère, vous savez qui c'est, vous nous envoyez vos messages et au 41759 sur l'appli Skyrock, le skyrock.fm, si vous êtes le premier ou la première à trouver le nom de l'invité mystère, vous gagnez votre pack digital Skyrock, enceinte Skyrock, écouteur Bluetooth Sky, yes. Et la powerbank, ouais. Skyrock. Bah démerdez-vous, je sais pas. Et ben voilà, vous, voilà. Comme il l'a dit, vous démerdez, vous trouvez vite le nom de l'invité mystère et vous gagnez. Bonne chance à vous, il est 8h29 sur Skyrock et l'embrouille avec Afida Turner. Alors ça c'est à pas louper, c'est dans un instant. Les numéros se réveillent tous sur Skyrock. Le morning de Tifoul, c'est ding, 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 ding. 6h-9h tous les matins. Premier sur ton réveil. Accompagné que de ding, 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 ding. Dans le morning de Difool. Ok, c'est Nap. Salut, c'est Gims. Salut, c'est Angèle. C'est CH. Salut, c'est Aurel San dans le morning de Difool. Eh ouais, bon morning, 8h34 sur Skyrock. Attention, il est là, notre invité mystère. Jingle. Non, la Jamie, non, on vient de le mettre, le jingle. Vous avez reconnu notre invité mystère qui présente donc TPMP People, c'est ça? TPMP People. Ouais, People. Et qui a reçu Afida Turner. Dans un instant, on vous fera écouter la venue d'Afida Turner dans TPMP People. Afida Turner, yeah. Oui, c'est elle-même. Et notre invité mystère est le présentateur de cette émission et c'est Mélissa qui a été la plus rapide à trouver la bonne réponse. Bonjour Mélissa. Bonjour l'équipe. Bonjour Mélissa. Salut. Ce qui est bien, c'est que si on comprend pas ce que je dis, ça répète derrière. C'est parti, c'est parti. Est-ce que tu savais que tu avais acheté un téléphone avec une chambre d'écho dedans? Non, quand même pas. Si. Ah si, on te le dit. C'est indépendant de ma volonté. C'est pas grave Mélissa. Ah, ça fait plus. T'es à Mulhouse, Mélissa, et t'as 33 ans. Tu fais quoi dans la vie, Mélissa, toi? Mais je suis assistante administrative. Très bien. Il y a des trucs qui t'énervent au boulot, des situations qui t'agacent, des collègues qui t'énervent? Ah, mais complètement. Ah, dis-nous alors, vas-y, dis-nous, parce qu'on va reparler dans le référendum dans un instant après les infos aussi. Ouais. Ah, mais complètement. C'est de toute façon les chouchous, ceux qui lèchent le cul des patrons. Hein. C'est surtout ça. T'en as beaucoup des lèche-cul dans ton boulot? Il y en a quand même. Ah, mais il y a toujours. Oui, quand même. Mais voilà, c'est ça. Bon, il faut faire avec, on va en reparler dans un instant. Donc ne bouge pas Mélissa pour l'histoire de notre référendum. On a ça au programme avant 9h. Et puis on a notre invité mystère qui a reçu Afida Turner et on vous fera écouter ce qui s'est passé sur le plateau de TMP People qui est présenté par Mathieu Delormeau lui-même.
La de l'or modeste. Il le fait plus, ça. Non. Eh, Mathieu, si tu nous écoutes, il faut refaire la Dolor Modèle. La c'était super, ça. C'était drôle, ça. Avec la chorégraphie et tout. La Dolor Modèle. Eh bien, c'est gagné, Mélissa. Tu gagnes ton pack digital Skyrock. Yeah. Il est pour toi. Calme-toi. Pack digital Skyrock. On va t'envoyer à la maison. Et puis, tu seras dans le tirage au sort. Dans trois quarts d'heure, on fait le tirage au sort. Tirage au sort pour la PS5 à gagner tous les matins j'espère dans le morning. Que je pourrais la gagner cette fois-ci. Eh bien, écoute, j'espère aussi, Mélissa. Bonne chance. Et on t'envoie ça à Mulhouse. Salut tout Mulhouse qui nous écoute à fond. Oui. Bisous Mélissa. Merci beaucoup l'équipe. Et puis donc bisous les bisous Mélissa. Salut Mélissa. Les embrouilles, si vous êtes embrouillés vous aussi, bah, n'hésitez pas à témoigner. Vous pouvez nous laisser vos messages. Une petite embrouille, même une grosse embrouille à écouter dans un instant. Vous allez voir notre idole, Afida Turner, en pleine forme, face aux chroniqueurs de TPMP. People qui n'ont pas aimé sa pièce de théâtre. Non. Elle a pas aimé qu'ils aient pas aimé sa pièce de théâtre. Mais on en reparle tout de suite, on vous fait écouter ça après les infos. Ben oui, parce qu'il est l'heure. Il est même largement l'heure. 8h37, le point sur l'actu. Rémi, avant d'en trouver Afida Turner, décidément du lourd dans le morning. Rémi, ah ouais. Des infos, Afida Turner juste derrière. Vos 1 500 € à gagner, puis un double appel inédit à écouter. Allez, on est prêt. Vas-y, Rémi, fais-nous le point sur la météo, là. Ouais, la météo, c'est plutôt bien aujourd'hui. C'est une belle journée, un beau début de semaine. Alors, tu dirais qu'on a une perturbation ce matin, là, qui se promène des Alpes à la Bourgogne-Franche-Comté. On va la retrouver un petit peu plus tard entre l'Aquitaine et Midi-Pyrénées. Partout ailleurs, ce sera agréable. On peut avoir quelques nuages ce matin sur la Bretagne, mais ce sera de l'histoire ancienne cet après-midi. Le soleil s'imposera sur les deux tiers du pays. On aura du vent près de la Méditerranée, d'ailleurs la Haute-Corse est en vigilance orange. Les températures ce matin, on a 3 à Lille, 6 à Lyon et à Paris, 9 du côté de Marseille, entre 6 et 18 cet après-midi, 6 à Langres, 18 à Bastia et à Montpellier. La pollution, c'est plutôt moyen. Les indices entre 3 et 5. Et le point sur l'actu. Fuck you! L'actu d'abord. L'actu et le sport avec toi, Rémi. Le Portugal qui allège à partir de ce matin les restrictions pour les voyageurs. Ils doivent être détenteurs d'un certificat sanitaire européen. Ils seront dispensés de présenter un test négatif à leur arrivée sur le territoire national. Une nouvelle décision du gouvernement portugais qui suit les recommandations européennes. Elles étaient fermées depuis mars 2020. Les frontières de l'Australie vont rouvrir le 21 février aux touristes entièrement vaccinés contre le Covid. Annonce faite ce matin par le Premier ministre Scott Morrison. Pendant ces deux dernières années, les Australiens n'ont la plupart du temps pas été autorisés à sortir de leur pays. Seuls quelques visiteurs ont obtenu une dérogation pour entrer sur le territoire national. C'est vrai que c'était hallucinant, c'est-à-dire tu partais en vacances en Australie. Au moment où ils ont tout bloqué, tu pouvais pas rentrer chez toi. Ouais, voilà, ouais. Les Australiens qui sont restés bloqués 2 ans dehors de chez eux. C'est chaud quand même. Hein. C'est fou. 40 minutes de conversation téléphonique pour se coordonner. Emmanuel Macron et Joe Biden se sont parlé hier soir alors que le président a rendez-vous aujourd'hui avec Vladimir Poutine. Déplacement en Russie avec pour seul objectif d'obtenir une désescalade des tensions avec l'Ukraine. D'ailleurs, il se rendra demain en Ukraine pour s'entretenir avec son homologue Zelensky. 100 000 soldats russes sont massés à la frontière. Certains observateurs craignent une opération massive. Tout un pays meurtri après 5 jours pendant lesquels il a retenu son souffle. Le Maroc s'apprête à enterrer le petit Ryan. Le garçon de 5 ans n'a pas survécu au temps terriblement long qu'il a passé dans un puits au fond duquel il était tombé mardi dernier. Les funérailles sont prévues dans son village d'Igrane où s'est dénoué le drame. Ryan a déclenché une émotion considérable amplifiée par les réseaux sociaux au Maroc mais aussi dans le monde entier. La cour d'appel de Rouen a confirmé la révocation du placement sous bracelet électronique des époux Balkany. L'ancien maire de Levallois-Perret est convoqué ce matin par la procureur d'Evreux. Il devrait être incarcéré dans la foulée. On ne sait pas dans quelle prison il sera détenu, mais ce sera à coup sûr dans une unité pour personnes vulnérables. Et on va parler de sport maintenant sur Skyrock. La Ligue 1 pour commencer avec la suite et la fin de la 23e journée. Victoire de Lorient 2-0 contre Lens. Même score pour Rennes opposé contre Brest. Reims s'impose assez largement 5-0 contre Bordeaux. Victoire de Clermont 1-0 contre Nice. Même score de Strasbourg face à Nantes 0-0 entre 3 et Metz. Alors que le Paris Saint-Germain s'impose 5-1. Contre Lille de bon augure, à quelques jours du choc contre le Real Madrid en Ligue des Champions, les Parisiens toujours premiers du classement devant Marseille et Nice. La CAN avec cette finale hier. Oh, que les Sénégalais ont retenu leur souffle jusqu'à la fin. 0-0 à l'issue du temps réglementaire contre les Égyptiens. Il a fallu aller au tir au but et à ce petit jeu, les Sénégalais l'ont emporté 4-2. Première CAN soulevée par les Lions du Sénégal. Bravo à eux. Le tournoi destination du rugby donc avec une victoire de la France, 37-10 contre l'Italie. Bravo aux Bleus. C'était le premier match de ce tournoi. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi pour le 15 de France.
Merci Rémi. Ouais. Les infos reviennent dans une demi-heure avec nos bourrés du week-end. Ils ont fait la une de l'actu ce week-end. Yes. Et on va tout vous dire juste après 9h sur Skyrock. Et d'ici 9h, il se passe plein de choses. Tiens, Siké qui était avec nous. Il est venu quand? Il est venu jeudi, mercredi, je sais plus. C'est jeudi. Jeudi. Siké ouais. qui nous a fait en live Love One Titi. On va écouter Love One Titi avec El Grande Toto. Angèle et Damso, elle aussi, elle était venue se réveiller avec nous. Angèle qu'on va retrouver avant 9h. Et puis, évidemment, vos 1500 euros. Un double appel inédit et un point sur notre grand référendum avant de retrouver. Allez, on y va. Afida Turner. Dans TPMP People, Afida Turner, qui a eu un, comment dire, un rapport un peu moyen avec nos journalistes. Ouais, qui était un petit peu tendu, ouais. Nos chroniqueurs. Les chroniqueurs de TPMP People. Oui, c'est bon, ouais. Alors, le référendum avant TPMP People, ouais. Alors, donc, ce qui vous énerve le plus au travail, on a en numéro 3. Les situations agaçantes. Les situations agaçantes, pour être très précis, tout à fait. En numéro 3, c'est les problèmes informatiques. On le disait tout à l'heure, quand ton ordi marche pas, ouais. ton téléphone non plus, l'imprimante aussi, beaucoup de fois. Toujours dans le classement, là, les problèmes ouais. informatiques. En numéro 2, c'est les collègues hypocrites. C'est dingue, les ordis qui marchent pas, ça vous énerve moins que les collègues hypocrites. Ouais, c'est ouf, ouais. Et les poucaves aussi, beaucoup de messages sur les poucaves. Mmh. Message de Céline, il y a une fille dans mon service, elle est insupportable. Toujours en train de lécher les bottes de notre responsable, à lui faire des compliments, lui dire qu'il est beau, bon. Alors qu'il n'y a pas plus horrible que lui physiquement. C'est une vraie connasse. Non, bah elle va avoir une petite augmentation. Ouais, tu vois, elle essaie de se placer, quoi. Oui. Et numéro 1, c'est les collègues qui foutent rien. Voilà, ça, c'est arrivé en tête. C'est toujours en tête, d'ailleurs, depuis ce matin. Ceux qui foutent rien, ça vous agace. Vous laissez vos messages avec le hashtag MorningDefool sur Twitter ou l'appli Skyrock ou le 06 86 101 101. Tiens, je vois sur Twitter, il y a Marcelinan qui nous laisse un message qui nous dit: moi, c'est les tasses de café sales qui traînent dans l'évier. Elles appartiennent jamais à personne. C'est dingue, ça. Elles viennent toutes seules. C'est ouf. Merci, Marcelinan. Vous laissez vos messages et on en reparle. Mais tout de suite, attention, c'est parti. Jingle. Allez, jingle, générique. Afida Turner débarque dans TPMP People. Ouais. Les chroniqueurs parlent de la pièce de théâtre d'Afida Turner, mais ils savent pas qu'elle va venir. Ils savent pas qu'elle est là, donc ils se lâchent. Alors là, il y a Laurent Fontaine ou Pascal Fontaine? C'est Laurent Fontaine. Laurent Fontaine, vous savez, c'est Pascal Bataille et Laurent Fontaine, c'est ça? Il y a que la vérité qui compte. Une vieille émission. Avec le grand rideau. Voilà, le grand rideau, le grand et le petit, là. C'est ça, exactement. C'était les deux qui présentaient l'émission. Alors lui, il s'est recyclé, chroniqueur, et donne son avis sur la pièce d'Afida Turner. Afida au théâtre, oui ou non? Bah quoi? Bah c'est le summum. Attends, on écoute. C'est même les coutures, même les fringues sont sales. Oh, c'est sale. C'est pas gentil. Un journaliste de Closer aussi qui donne son avis. Je suis pas convaincu que sa pièce est drôle. Continue. Donc pour vous, c'est une usurpatrice? Pardon? C'est une usurpatrice, comme on dit. Ouais, mais je pense qu'elle le sait même pas. Ça parle mal, attention. Elle le sait même pas, mais elle est en coulisses, elle a entendu tout ça et elle fait son entrée sur le plateau de TPMP People. Afida, bébé, on est là. Où? Je peux me permettre de dire quelque chose? Viens avec moi. Viens parce que c'est là ta place. Oh, wow, that's amazing. Voilà. Quelle entrée de star elle a fait, quelle entrée de star. Et alors là, elle va voir Laurent Fontaine ou Pascal Fontaine. Laurent Fontaine. Toujours Laurent. Laurent Fontaine. Et écoutez, elle a entendu ce qu'il a dit sur sa pièce de théâtre. Elle est pas contente. Le mec, ça fait 20 ans, on l'a pas vu, il est là ce soir. J'ai fait les cours Florent, c'est plein, on fait les prolongations. Au lieu d'encourager quelqu'un qui se sort de la merde, Viens bébé, un morceau de merde. Tu sais, quand on est une star comme toi, il faut entendre forcément les critiques positives. Oh oui, mais écoute, un avis c'est comme un croc du cul, tout le monde en a un. Et lui là, il a les gants ce soir. Fontaine, dans le trou du cul, voilà. Bah, il n'a pas été très gentil non plus. Ah, c'est le journaliste de Closer. Méchant, le méchant. Mais je le connais pas, on s'en fout. Oh, allez, bah, tiens, ça c'est cadeau ça. Voilà, et là, Afida Turner qui a pas, vraiment pas digéré Fontaine. Moi, j'ai un malaise quand je te vois globalement. Tu sais, c'est le même effet que quand je vois Loana sur les plateaux de télé. Ouais. Pardon, je te compare pas à Loana. C'est qu'à un moment donné. Est-ce que t'es un petit bourgeois? T'es un petit bourgeois et t'es un raciste. Non, tu juges les gens. Mais t'es qui, toi, t'as fait quoi? Tu connais rien de ma vie. Un petit bourgeois. Ah, mais lui, il se la raconte de ouf. Hein. Ah ouais, non, mais ça se voit quand il parle. Non, il se la raconte de ouf. Hein. Ah ouais, je suis hyper mal à l'aise quand je te vois. C'est la star de la vérité qui compte. Il n'y a que la vérité qui compte. Bon, Afida Turner, l'achève, là, c'est fini. Je ne parle pas aux ânes, ça les instruit. Mais t'es pas un âne, toi, t'es un abruti. Je parle de toi. T'es chum, vachette dentiste. Ah, c'est ça qu'elle a dit. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, t'es chum, vachette dentiste, d'accord, ok. Elle était en pleine forme, Afida. Mais t'es pas un âne, toi, t'es un abruti. Je parle de toi. Tu es chum, vachette dentiste. Allez, on est parti sur les attaques physiques. Allez. Mais vous irez dîner ensemble après. Ah, bah, c'est sûr que toi, avec tout tes bourrelets. Non, mais arrête de dire ça. Physique. Petit gros là. Non. Petit gros.
petit. Il est très gros, mais il est très gros, mais il est pas petit. Le pire, c'est quand même Mathieu Delormeau. Et ta fille Turner, il a juste une grosse queue. Les autres, elle pète les plombs. Elle est en forme, ma fille Turner. Très en forme, ouais. Si elle se réveille, là, on l'embrasse, on lui fait des bises. Et attention, attention, les doubles appels arrivent. Vaut 1500 euros aussi. Et oui, c'est tombé il y a une demi-heure. C'est tombé chez Jonathan. Jonathan et Leandro. Le petit Leandro, il veut déjà un téléphone. Il a 5 ans. Ouais. Et ouais. Papa Jonathan, il a gagné. C'est peut-être à vous maintenant de gagner 1500 euros. Petit coup de fil, numéro de téléphone tiré au hasard dans tous les annuaires de France. Comme où que tu sois, qui que tu sois. Si tu réponds Skyrock en 10 full t'appel, tu gagnes 1500 euros. Eh oui, et direction le 54, Meurthe-et-Moselle. On va en Lorraine, on va à Nancy. Et on va chez les Mazet. Thierry Mazet qui a été tiré au sort. J'espère que Thierry écoute Skyrock et qu'il va répondre Skyrock. Skyrock le morning, 1500 euros à choper. Allez, Titi. Allez, Titi. Allez, Thierry. Thierry Mazet. 1500 balles à gagner. Bonjour, madame Mazet. Oui, bonjour. Bonjour. C'est la radio au téléphone, madame Mazet. On est en direct à la radio. C'est une petite surprise du matin. On vous appelle pour vous offrir 1500 euros. Je vous remercie. Ah non, mais c'est pas gagné là encore. Hein. Ah, non, mais je vous remercie quand même. Ah, c'est bien. Il faut me dire maintenant, madame Mazet, c'est quoi votre radio préférée? Si vous avez la bonne, vous gagnez 1500 euros. Je pense que j'ai pas la bonne, donc je vous souhaite une bonne journée. Ah, mais essayez quand même, ça coûte rien. Madame Mazet, depuis qu'on a appelé, elle a qu'une envie, c'est de se barrer. C'était Skyrock, ouais. Madame Mazet. Ah bah voyez, j'aurais dit c'est Sud Radio, vous voyez, je me serais trompé. Ah, allez. Ah ouais, d'accord. Okay, effet, oui. C'est pas le même délire. Ah non, c'est pas du tout le même. Absolument pas. Ouais. Bisous, madame Mazet. Yavol. Au revoir. Yavol. Aminazi, bonjour. Ah ouais, c'est un peu CNews de la radio, vous voyez. C'est ça. C'est chaud, ouais. Bon, en effet, c'était pas ça. La vraie, c'est Skyrock. Hein. Skyrock, 1500 euros à gagner. Vous répondez Skyrock et vous gagnez 1500 balles. 6h-9h. Le morning de Difool. CK, El Grande Toto sur Skyrock. C'était Love One Titi. CK, la vidéo que vous pouvez mater, la vidéo avec le live de CK dans le morning. Ouais. Il nous a fait un live dès le réveil. C'est pas facile pour les artistes au réveil. Hein. Comme nous, parfois, vers 6h du matin. Non, mais il était très pro, tu sais. En plus, il voulait pas manger de croissant et tout. Pour avant, avoir une belle voix. Pour avoir une belle voix pour le live. Il s'est rattrapé après, hein, CK. Très, très pro. CK, que vous avez entendu sur Skyrock. Et à 8h50, on va écouter les messages que vous nous laissez. Si vous prenez les transports aujourd'hui, on va vous préparer à rencontrer le pire ou le meilleur. Tiens, Geoff nous a laissé un message sur le 06 86 101 101. Le WhatsApp audio du morning avant le double appel. Qu'est-ce qu'il nous dit, Geoff? Salut l'équipe, c'est Geoff. Le pire que j'ai vu dans le bus. Oui. C'était une meuf, elle était dans le fond du bus. On entendait un petit bruit de. Au calme, elle était en train de se raser les jambes dans le fond du bus. Oh ah, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était un vibromasseur, moi. Ah ouais, bah. Non, mais se raser les jambes, c'est pas tellement mieux, c'est quand même pas l'endroit, le bus, quoi, tu vois. Bah écoute. Ouf. Bah ouais. Ah, plutôt que de perdre du temps dans le bus, t'en profites, tu finis ta toilette. Après, t'arrives dans le bus, elle est poil partout et tout. Alors, elle avait peut-être un petit rendez-vous juste après. Merci, Geoff. Je te mets dans le tirage au sort pour la PS5 à gagner tout à l'heure. Mota nous a laissé un message aussi. Ouais, salut la team, c'est Mota du 5-9. Ben, moi, je suis conducteur de car longue distance et j'ai un de mes collègues qui a déjà retrouvé dans la poubelle des toilettes une banane dans un préservatif. Ah oui. Donc, je vous laisse imaginer le délire, quoi. Allez, bonne journée, bon courage à tous. Alors, tiens, imaginons le délire un peu. Posons-nous quelques secondes. Je crois qu'on a tous bien compris le délire. C'est quoi? C'est un mec qui avait un rendez-vous et il voulait s'entraîner à mettre un préservatif, non? Ah, j'aurais pas dit ça, moi. T'aurais dit quoi, Guigui? J'aurais dit un truc beaucoup plus sale. Ouais, il faisait ça avant, comme ça il dure plus longtemps après, peut-être. Ou... De quoi? Il se... Ah non, c'est une banane dans un préservatif. Ah. Karim, il n'a pas compris. Ah, okay. Non, moi je pensais que justement il utilisait la banane. Il utilisait, ouais. Ah ouais, peut-être. Il ou elle utilisait. Ça pêche une fois. Et du coup, il a protégé la banane parce qu'il est très très sérieux. Et c'est bien donc. Et c'est bien donc. Eh bien, on peut le féliciter. Tu diras à ton pote qu'on félicite. Félicite la dame ou le monsieur qui a mis une capote sur une banane. Non, je sais pas, je propose, j'en sais rien. Un autre message, celui de Whitney. Salut. Alors, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'ai pris le tram. Et dans le tram, en fait, il y avait un homme qui est rentré avec une grosse masse, une sorte de gros marteau, quoi. C'est Obélix. Et en fait, il me regardait, il poussait des cris genre « Ah, ah !» Et en fait, il m'a tellement fait peur que je suis sortie à la station d'après. T'as bien voilà. fait, c'est mieux. Donc, j'ai suivi les infos quand même. Et il n'y avait pas de. Il n'y a pas eu de problème après sur quelqu'un, mais franchement, il m'a vraiment fait peur. Ah, tu t'es renseigné pour savoir s'il avait écrasé la masse sur le visage de quelqu'un. Bon, pas de nouvelles, on tiendra au courant. Écoute Skyrock, on ne sait jamais. Et le message de Anis? Allô, bonjour l'équipe. Bah, situation embarrassante au boulot. Je suis conducteur de bus. Ben, y avait des gens, ils étaient pressés de sortir, ils étaient en
en panique. Monsieur, s'il vous plaît, arrêtez-vous, il faut sortir, tac tac, il pétait les plombs. En fait, il s'est passé quoi? Bah, il y a une meuf derrière, elle a fait caca. Voilà. C'était comme dans un film de zombies, tu vois, les gens ils voulaient casser les carreaux et sortir, c'était la folie. Allez l'équipe, bisous, bonne journée. Eh ben bisous Anis et chauffeur de bus, vous en rencontrez des trucs. Hein. Merci Anis, et dans le tirage au sort, tu seras toi aussi dans une demi-heure. Tirage au sort pour la PS5 à gagner. Et un double appel inédit que je vous avais promis, mais oui, il est inédit, il est tout neuf, il est tout beau, c'est parti. La France est sur écoute. Ça va bien. Et puis ne me rappelez plus parce que ça commence à bien faire maintenant. Hein. Ils comprennent pas toujours ce qu'il leur arrive. Je vais pas appeler madame, c'est vous qui m'appelez. Écoutez, je ne vous appelle pas, mon sang de bonsoir. Arrêtez un peu. C'est le double appel de Difool sur Skyrock. Et là, on fait un truc qu'on aime bien faire des fois, c'est appeler dans le même quartier. On a appelé dans le même quartier pour voir si les gens ils vont se reconnaître, s'ils vont se dire oh bah c'est mon voisin, dis donc. C'est parti, on les a testés juste avant et on les met en contact maintenant. Le double appel sur Skyrock. Allez, c'est parti. Et allô? Allô? C'est bon. Oui? C'est qui? Ah, je sais pas, mais tu vas me le dire. Non, c'est vous qui appelez, là. Ah non, je vais pas appeler, c'est vous qui venez de m'appeler. Vous cherchez à joindre qui? Personne. C'est vous qui venez de m'appeler. Qu'est-ce que vous pas voulez? Vous voulez quoi? Pas du tout, moi j'ai appelé personne. Ah bon, ben on va raccrocher, alors. Allô? 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 Je vous allô écoute. C'est qui? C'est Cédric. Cédric. Comment? Patrick. Patrick, oui. Comment allez-vous? C'est Cédric. Ah, Cédric. Oui. Comment Cédric? Bah, très bien, là, bon. Ah bah, c'est Michel au téléphone. Ah, Michel, ouais, c'est vrai. Et comment il va, Michel? Là, je suis à poil, là. Ah bon? Ça fait deux fois que tu m'appelles, c'est qui, en fait? Bah, je sais pas, c'est pas moi qui appelle. Ça fait deux fois qu'on m'appelle. Moi. De toute façon, mon numéro, lui, s'affiche. Et c'est pas un numéro secret, comme je peux voir pour vous. Tu te fais de ma gueule, c'est pas un numéro secret, c'est inconnu. C'est pareil, hein, oui. C'est pareil, inconnu au secret, en fait, madame. Bah alors, justement, pourquoi tu m'appelles? Ah, moi, je ne sais pas, je suis l'opérateur téléphonique, je vous écoute. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Allô? Mais vous allez m'emmerder combien de temps, là? Allez, je vais vous faire foutre. D'accord. Merde. Merci. Ah non. C'est qui? Patrick. Ah, la musique. Allô? Allô? Ouais? Oui? Oui? C'est qui? C'est qui? Ah bah écoutez, vous m'appelez, vous devez bien savoir qui c'est. Ah non, ça fait deux fois que vous m'appelez sur mon fixe là. Ah bah oui, bah moi c'est pareil, hein, vous savez, je suis dans la même situation. Alors je ne comprends pas pourquoi. Je suis entré en contact avec vous parce que je n'ai appelé personne. Bonjour. Écoutez, voilà. Je suis désolé, mais là c'est ma téléphonie, bah, il n'y a pas de numéro, il n'y a rien et ça sonne chez moi. Ouais, bah écoutez, je suis désolé également. C'est pas grave, bah, c'est allô, pas grave. Allô, bonjour. Allô, 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 ouais, allô, c'est qui là? C'est Dominique. Ouais. Ah, enfin. Bah ouais, bah je sais rien, mais il m'a fixé son aussi, il y a qui me parle. Ils sont au moins 45 là, sur une ligne. Bah, qui c'est qui a emmerdé le montant? Gars, c'est ton père ouais, aussi. Bon, bah écoutez, il y a de la friture, hein. Écoutez, il y a de la friture, on a moins un taxi sur la ligne, là. Bah ouais. Si. Allez, écoutez, au revoir, madame. Attends. Au revoir, ouais. Allô, ouais, ouais. Attends, attends. Allô? Ouais. Ouais, je suis à poil, là. Mais toi, allô, tu es enculé, là, je suis à poil, là. Allô, ouais. Tu veux donner un grand coup de poil à la gueule, espèce d'enculé de bâtard. T'es pas un travesti. Mais non. Il a raccroché. Bon, il y en a quand même deux qui se sont reconnus. On a appelé 8 hein, quand même. Hein. 8 dans le même quartier. Deux qui se sont reconnus, c'est bien. Ils vont avoir des trucs à se raconter là dans le quartier. Grâce au double appel. Le double appel est de retour ce soir. Mais oui, en direct entre 21h et minuit tous les matins dans le morning. Le morning, il est 12 signes de l'horoscope. Dans un instant, les puissances amoureuses. Horoscope de l'amour qui arrive. 6h-9h sur Skyrock. Le morning de Difool. Salut, c'est Angèle. Tous les matins, je me réveille avec le morning de Difool. Premier sur ton réveil. Démon Angèle, Angèle et Damso sur Skyrock. À pile 9h, on va faire l'horoscope dans un instant, l'horoscope de l'amour, et on parle d'amour. Et oui, on en a beaucoup parlé ce matin. En début de morning, le Sex Report 2022 est sorti. Sex Report 2022, c'est les préférences sexuelles des Français en 2022, l'amour chez les Français en 2022. Enfin bon, il sort en 2022, mais c'est sur l'année 2021. C'est ça. Eh bien, les Français font l'amour 2,5 fois par semaine quand ils sont en couple. Le 0,5, c'est quand ils vont pas jusqu'au bout. Ouais, ah ouais. La panne. C'est ça, c'est la panne. Une petite moyenne, 2,5 fois par semaine pour les Français, les désirs secrets des Français. En sixième position, une histoire d'un soir, ou alors du sexe avec des inconnus.
Ouais. Oh, oh. Absolument, ouais. Philoc. Tout dépend des inconnus. Ouais, c'est vrai. C'est toujours pareil. Le sexe dans des lieux publics, à la place numéro 5. Ça, c'est les fantasmes, les désirs secrets des Français. À la place numéro 4, les jeux de rôle. Genre, tu te déguises. Tu te déguiserais en quoi, Guigui? Oh putain, bonne question. Je me vois pas trop le faire, mais. Tu te vois bien déguisé en. En quoi? En prostituée. C'est horrible. Si tu fais un jeu de rôle, je sais pas, tu fais. Je sais pas, tu te mets dans la rue, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va t'aborder. Hein, tu vas peut-être trouver quelqu'un. Oui. Ouais, mais je vais trouver un mec bizarre, ouais. Moi, je suis en tiens, en basketteur, tu vois. Tu sais, tu veux voir mon gros ballon, tu vois. Ah ouais, putain, t'es le gros beauf, quoi. Non, mais prostituée, bah écoute. Bon, pourquoi pas, je garde cette idée en tout cas. Sam, tu te déguiseras en quoi, toi? Putain. En infirmière? Oh non. Putain, je sais pas. La réputation des infirmières va prendre un coup dans la gueule. Non, militaire. En militaire. Ouais, toi. Militaire, tu sais. Ouais. Genre caporal Sam, tu vois. C'est bien, en tout cas, t'as le physique pour. Caporal Sam. Du militaire, bien, militaire, bien costaud. Complètement. Merci, merci. Et toi, Karim, tu te déguises en quoi? En soubrette, je te verrais bien. Tu sais, une petite soubrette qui fait. Karim, je vois bien, tu sais, genre en pom-pom girl. Enfoiré, en pom-pom girl. Pom-pom girl à barbe. Et Théo? Ah, moi, je sais, Théo. Dis-moi, vas-y. Un petit écolier. Ah, Théo, parce qu'il est tout petit. Un tout petit écolier. Ça, je vois bien, tu sais, avec le cartable, tu sais, les petites lunettes. J'ai oublié ma trousse, genre. Il se déguise en biscuit. C'est mignon. Très vilain, monsieur. Oh non. Oh, alors, en 3, il y a le tantra, le sexe lent ou le sexe quand on se touche pas. Vous savez, vous êtes en face de votre partenaire et vous la touchez pas. Mais bon. C'est quoi le principe? Bah, je sais pas, ça fait partie des désirs secrets des Français. Ouais, mais je vois le délire, c'est un délire spirituel, tu vois. Spirituel, ouais. C'est les ondes, c'est pas connecté. Ah ouais. Spirituel, psychologique, tout ce qui nous au cerveau, c'est pas pour l'équipe. Bon. À la place numéro 2, ah là, c'est plus chaud. Le sexe en groupe. Ouais. Ça, c'est les désirs secrets des Français. Et à la place numéro 1, les plans à 3. Voilà. Bah, on est plus chaud à la place numéro 1, à la place numéro 2 qu'à la place numéro 3. Voilà pour le Sex Report 2022. Très bien. On en reparlera parce qu'il y a plein de chiffres là-dedans. Là. Il est 9h03, bah tiens, puisqu'on parle d'amour, c'est parti. L'horoscope de l'amour, il est sur Skyrock tous les matins. Tu veux savoir comment va se passer ta journée? C'est l'horoscope de l'amour sur Skyrock. Allez, les doux signes, les puissances amoureuses sur une échelle de 0 à 5, 0, c'est pour qui les Gémeaux et les Sagittaires aujourd'hui? Nos conseils du jour pour passer une meilleure journée, il faut faire attention à ne pas vous inquiéter pour ceux que vous aimez, vos amis, vos amours. Ça pourrait les stresser d'une part et ça pourrait vous surstresser d'autre part. Il faut leur faire confiance et tout ira bien, les Gémeaux et les Sagittaires. Les Lions et les Balances, vous avez 1 sur 5. Évitez de prêcher le faux pour savoir le vrai. Allez droit au but si vous avez quelque chose à demander. Tournez pas autour du pot, foncez, vous serez soulagés plus rapidement. Les Scorpions, les Verseaux, vous avez 2 sur 5. Vous n'allez pas vous ennuyer aujourd'hui, vous aurez même plein de trucs à faire et pas une minute à vous. La semaine démarre sur les chapeaux de roue, mais vous arriverez à gérer tout ça sans problème. Les Béliers, les Taureaux, vous avez 3. Vous serez agréable, sympa, cool avec les autres aujourd'hui. Et eux, ils seront aussi avec vous. Ils vous le rendront bien, c'est une belle journée d'échange qui vous attend. Ouais. Les cancers, les vierges, vous avez 4 sur 5, il y a une rencontre qui est possible si vous êtes célibataire. Un conseil, allez plutôt faire un tour sur les réseaux aujourd'hui, c'est peut-être là où vous allez trouver ce qu'il vous faut. Et pour les couples, c'est votre bon sens qui aidera votre partenaire à prendre une décision importante. Vous serez consulté, vous verrez que tout se passera bien aujourd'hui pour vous, les cancers, les vierges, il manque qui? Eh bien les capricornes et les poissons. Eh oui, oui, les deux derniers signes qui sont les premiers aujourd'hui, 5 sur 5, les meilleurs du jour. Un seul mot pour nous décrire en ce lundi, nous les capricornes et vous les poissons, irrésistible. Eh ouais, voilà, profitez-en, une belle journée, profitez de la PS5 aussi, elle a gagné dans un instant. Et puis notre compile, celle que vous attendez tous les lundis, les bourrés du week-end, ils sont à la une de l'actu. Ils ont fait la une de l'actu ce week-end et on va tout vous dire. Les bourrés du week-end arrivent, il est 9h05 sur Skyrock. J'écoute le morning de Difool dans toute la France. C'est là qu'ils foncent. C'est le morning de Difool sur Skyrock. Ils sont prêts à tout. Pour te réveiller 6h-9h tous les matins. Premier sur ton réveil. Et ouais, bon réveil et bon morning, il est 9h10, 9h11 même sur Skyrock. On a la PS5 à vous filer dans un instant, vous la gagnez tous les matins. Vous vous réveillez avec nous, vous nous envoyez vos messages. Vous allez sur la sur le WhatsApp, tiens, 06 86 101. Ouais. Le WhatsApp du morning. Vous nous laissez vos messages sur Twitter. D'ailleurs, vous avez voté pour le référendum. Des trucs agaçants au boulot. On a vérifié un sondage dont on parlait ce matin. On va voir ce que vous nous avez dit. Les résultats arrivent. Ouais. Et puis, donc, la PS5, c'est à gagner dans un instant. Mais avant tout ça, je sais que vous l'attendez tous les lundis matin. Notre compile des bourrés week-end. Ils ont trop bu. Ils se retrouvent à la une de l'actu. Allez, un point sur l'actu tout de suite. La compile des bourrés du week-end sur Skyrock.
Eh oui Rémi, qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui? On ira en France dans un instant, parce qu'il s'est passé plein de choses en France. Mais tout de suite, allons faire un tour aux États-Unis. Numéro 3. Oui, une belle petite histoire qui va vous plaire, je crois. Aux États-Unis, nous sommes dans un resto. Voilà, une femme a bien picolé là pendant la soirée. Normal, voilà, elle s'amuse. Sauf qu'au moment de repartir, eh bien, elle a été très sage puisqu'elle laisse garer sa voiture au parking. Bah oui, c'est bien. Sam, qui conduit, ne boit pas, voilà. Oui, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça le slogan. Donc, quand elle est revenue la chercher le lendemain, elle a eu une belle surprise puisqu'elle a trouvé un petit mot là sur le pare-brise glissé sous l'essuie-glace. Alors, je voulais le petit mot. Chère cliente, je souhaite vous remercier d'avoir laissé votre véhicule stationné pendant la nuit. Nous voulions vous remercier de ne pas conduire après avoir bu. À l'intérieur de cette enveloppe, vous trouverez un bon qui vous donnera droit à 450 grammes de nos délicieuses ailes de poulet. Veuillez l'accepter en tant que remerciement pour avoir été responsable. La vie est précieuse. Passez un bon week-end. Eh bien, sachez-le que ce mot-là a été publié sur les réseaux et retweeté des milliers et des milliers de fois. Tu as choisi parce qu'il y a des ailes de poulet gratuites. Tout à fait, des chicken wings. Oui, des chicken wings. Allez, la place numéro 2. Numéro 2. On va à Saint-Jean-de-Védas. C'est pas très loin de Montpellier, je crois. Hein? C'est un Montpelliérain de 35 ans qui était bourré, ouais, et qui a égaré sa voiture avant d'être bourré. Une fois bourré, il ne retrouve plus sa voiture. Ce sont des choses qui arrivent. Oui. Eh bien, le gars a eu une très très bonne idée pour rentrer chez lui. Il a volé un rouleau compresseur pour rentrer à la maison. C'est le seul véhicule qu'il a trouvé et qui était dispo. Ah si, ça avance à 15 km/h. Ah oui. Donc c'est un automobiliste qui est intrigué par l'engin de chantier de plusieurs tonnes qui roulait à moins de 15 km/h, qui a appelé le 17. Bon, rapidement la police est intervenue, ils l'ont interpellé et le gars il a expliqué qu'en raison de son état, il ne voulait pas marcher quelques kilomètres parce que c'était trop difficile de marcher, surtout que quand tu es bourré, tu marches tordu, donc comme tu fais des zigzags, c'est beaucoup plus long que quelques kilomètres de prévu au départ. Il a donc décidé d'emprunter cet engin pour se rendre juste à la station de tramway de la ligne 2 pour grimper dans une rame et rentrer chez lui pour se coucher. Et bien tout est bien qui finit bien puisque c'est finalement la police qui l'a ramené à la maison au poste. Et voilà. Bien. Enfin, au poste et à la maison après. Sympa la police. Et pour finir, à la place numéro 1. Numéro 1. Bah, dans la Marne, où cette histoire ne finit pas forcément bien, un conducteur roulait à contresens sur l'autoroute, il a percuté un fourgon, forcément, la police arrive, il explique, je n'ai pas pu l'éviter, alors il s'en est bien sorti, il est quand même blessé un petit peu à la cheville, ce qui lui vaut 21 journées d'ITT. Bon, le mec avait quand même 2,25 g hein, par litre de sang. C'est pas mal. Là où ça se complique un peu, c'est que ce mec était formateur à la police nationale. Le mec bourré à contresens, il travaillait à la police. Exactement, alors il a expliqué qu'il était sorti pour se calmer après s'être engueulé avec sa femme en attendant le verdict de la procédure disciplinaire dont il fait l'objet puisqu'il y a une procédure interne contre lui. Et bien la justice l'a condamné à une peine de prison avec sursis assortie d'une suspension de permis pour une durée de 15 mois. Il va être accueilli comme un dieu aujourd'hui au poste de police. Ah oui, oui. Oh, bravo, hein, bravo. Champion, 2,25 grammes dans le sang. T'es vraiment le meilleur. Bravo à lui. Enfin, bravo à lui. Manière de dire. Hein. Et voilà pour notre compil. Ils ont trop bu. Ils se retrouvent à la une de l'actu. C'est tous les lundis dans le morning. Et dans le morning, maintenant, voici les résultats de notre grand référendum. Ouais, on a le top 10 officiel. Vous avez voté les situations agaçantes au boulot. Ça donne quoi? En numéro 10, les collègues qui partent plus tôt. Dès qu'ils peuvent partir, ils s'en vont. Ah oui. Effectivement, c'est relou. Après, tu tapes tout le boulot derrière. J'ai fini mon taf. J'ai commencé il y a 10 minutes. Mais ouais, j'ai fini mon taf. Ça va. Je suis fatigué en plus, là. Numéro 9, l'ascenseur en panne. Ouais, effectivement. Ah, quand t'es dans un immeuble et que tu travailles au 15ème étage, c'est vrai que c'est pas super. C'est relou, le matin, putain, c'est dur, ouais. En numéro 8, ceux qui se lavent jamais les mains, notamment en sortant les toilettes. Ah ouais, c'est horrible. Ouais, bah, mais ce qui est bien maintenant, c'est comme on se sert plus les mains, c'est quand même beaucoup plus pratique qu'avant. Ouais, mais juste de le voir, ça dégoûte. Déjà que bon, il y a les toilettes, puis il y a l'effet Covid aussi. Oui, l'effet Covid, c'est vrai. En numéro 7, quand il n'y a plus de café. C'est plus l'effet pipi, là. Ouais, aussi. Caca, ouais. Ça dépend. Oui. En numéro 7, quand il n'y a plus de café ou que la machine marche mal. Ça, c'est dingue. Ça me donne envie d'y foutre des coups de pied dedans. Tu vois, moi, je m'en fous. Moi, je bois pas de café. Tu vois, c'est la solution, ça. Tu bois pas de café, tu prends les chocs à pic, t'es tranquille. En numéro 6, ceux qui parlent fort. Ouais. Ça, c'est les open space, par exemple. T'as un collègue qui parle fort à côté. C'est relou de ouf. On a en numéro 5, ceux qui sont malades mais qui viennent quand même bosser. C'est sûr, en ce moment, tu vois un mec arriver qui est en train de tousser comme un ouf. C'est pas rassurant. Non, tu te dis. Tu te dis, putain, mais pourquoi il est pas resté chez lui là? Il a fait de rester chez lui. Ouais. Tu sais que c'est numéro 1 dans le sondage qu'on a étudié tout à l'heure. C'est devenu numéro 1 en un an. Ça n'existait pas avant. Les collègues qui arrivent malades au taf. Bah, vous l'avez mis 5ème. C'est l'effet Covid, comme on disait. En numéro 4, les collègues qui puent. Ouais. Bon, bah, ça, ouais, ça marche même Covid ou pas Covid. En numéro 3, les problèmes informatiques. Un téléphone qui marche mal, un ordinateur ou quoi. Numéro 2, ceux qui foutent rien.
ça agace. C'est beaucoup les collègues en fait, hein. C'est souvent c'est les collègues. En fait, le problème du boulot, c'est pas le boulot, c'est les collègues. C'est les gens autour de nous, ouais. Et en numéro 1, c'est encore une fois les collègues, mais cette fois-ci les collègues hypocrites ou les poucaves ou les lèche-cul. Et exactement, ouais. J'ai vu, il y en a eu plein ce matin. Ça rentre dans le lot, ouais. Eh bien, merci pour tous vos témoignages, pour vos votes sur pour ce grand référendum. Ouais. Et parmi vos votes, on tirera quelqu'un au sort dans un instant, juste après le zap du morning. Et oui, comme tous les matins, le zap du morning avec tout ce qui s'est passé ce matin depuis 6h. Afida Turner était à la une du morning ce matin. Elle était chez Mathieu Delormeau dans TPMP People ce week-end. On a parlé du Sex Report 2022. On a écouté Nino dans le réveil de Star. Nino qui va tourner avec le Réfetour, tournée Skyrock, les 1500 euros qui sont tombés, et puis les trucs qui énervent au boulot. On a parlé en gros de tout ça ce matin dans le morning. Écoutez bien, c'est le zap. Le meilleur du meilleur. Le pire du pire. C'est le zap du morning de Default sur Skyrock. La petite débrief de votre week-end, par exemple, allez-y, 06 86 101 101. Ah bah le voilà, il débarque. Il était dans le frigo, le cochon. C'est l'heure des infos. Et attention, confrontation, Pascal Fontaine contre Afida Turner. Moi j'ai un malaise. Pascal Fontaine, non, c'est Pascal Bataille. C'est Laurent Fontaine. Laurent Fontaine, on les confond toujours. Les deux. Moi j'ai un malaise quand je te vois globalement. Tu sais, c'est le même effet que quand je vois Loana sur les plateaux de télé. Ouais. Pardon, je te compare pas à Loana. C'est qu'à un moment donné. Parce que t'es un petit bourgeois. T'es un petit bourgeois et t'es un raciste. Non, non, tu juges les gens. Mais t'es qui, toi, t'as fait quoi? Et on va s'en occuper. Vous avez profité ce week-end pour faire du sexe? Un petit peu. Ah ouais. C'est dégoûtant. Promis, on n'en reparlera pas. Voilà une bonne nouvelle. Je ne parle pas aux ânes, ça les instruit. Mais c'est t'es pas un âne, toi, t'es un abruti. Je parle de toi. Oui, Medellin, on te soutient à Afida Turner. Mais oui. Tu sais, quand on est une star comme toi, il faut entendre forcément les critiques positives. Oh oui, mais écoute, un avis, c'est comme un trou du cul, tout le monde en a un. Et lui, j'en ai les mêmes besoins. Fontaine, of course. Un trou du cul. Et Théo, alors Théo, c'est le show de l'équipe. Ah, alors Théo, ouais, ça dépend 6 fois par semaine. Ah, ça c'est le journaliste de Closer. Méchant, là. Mais je le connais pas, on s'en fout. Allez hop, tiens, le cadeau. Magnifique. Judith, alors on a la méthode de la copine de Sam, c'est. Les horaires. On a des horaires un peu décalés, mon chéri. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Tu vois, je peux pas être. Toi, j'ai pas envie en même temps que toi, c'est dommage, hein, parce que j'avais très envie de toi quand tu dormais tout à l'heure. C'était très mignon. Tu sais que des fois, elle est vraiment fatiguée, hein. C'est pas qu'une excuse, hein. Ouais, bien sûr. Mais vous irez dîner ensemble après. Ah, bah c'est sûr que toi, avec tout tes bourrelets. Non, mais arrête de dire ça. Ah, physique. Petit gros là. Non. Petit gros. Alors non, il est pas petit. Il est pas petit, il a dit. C'est la meilleure. Il est gros mais il est pas petit. Merci Mathieu Delormeau. C'est Mathieu Delormeau qui était le plus méchant en fait. Ah, Afida Turner exceptionnel. Trop fort. L'embrouille du week-end avec Afida Turner. Et combien de fois par semaine pour comparer par rapport aux Français qui sont à 2,5 par semaine? Sincèrement. Théoriquement, honnêtement, 6 fois. Ah ouais, comme moi, ça va. Quand on n'est pas fatigué. Ah oui, c'est fatigué. Puis moi, j'ai mon point sur ta gueule bientôt. Ah. Fais pas le coup du patron, gros. Bah, je suis certainement pas un blaireau comme toi. Fais pas le patron. Ouais, bah viens voir un peu. Tu verras un peu qui est le patron, connard. Le patron. Voilà, vous avez une bonne excuse pour faire l'amour moins que prévu, hein, ça peut vous servir. Ça peut être pas mal. C'est l'excuse de la copine de Sam qu'on embrasse très très fort. Tu as du courage. Ça c'est quand t'as du courage. La bonne réponse c'est 1500 balles. Morgane, ta radio préférée. Allez, lâche-toi. Ah, c'est dommage. C'est pour ça que tu nous faisais. Je suis dégoûté. C'est pas, bah ouais, désolé. Bah, en fait, je les écoute toutes hein, sur ma route, moi. Bah, il faut en écouter qu'une. Est-ce que tu écoutes Skyrock, Morgane? Ah, bah ouais, non, mais c'est Difool là. Bah, oui, tu connais, Morgane, t'as une bonne alors. En 6, les problèmes d'imprimante. Ah ouais. Aussi, ouais. 6e, ouais, on a ça nous aussi. Ouais, sauf que Théo, ça fait 2 mois qu'il doit réparer, c'est toujours pas fait. Ah bon? Voilà. Mais en même temps, tu me préviens pas. Donc mais bien sûr que. Ouais, on va passer derrière. Il s'énerve. Là, je vais montrer mon vrai visage là. Oui, un cheval. Super, magnifique. Ouais. Bon, allez. Allô? Je raccroche. Allô? Allô? Ouais, moi aussi. Allô? Je vais être obligé d'enlever le fil du téléphone, hein. T'arrêtes la boxe, hein. T'as que ça à foutre. Des excuses pour pas faire l'amour, ça m'est arrivé une fois, je suis tombé sur une meuf, elle avait une grosse touffe bien poilue, ça m'a dégoûté.
Et j'ai dit que j'étais pas bien, que j'avais envie de vomir. Mais c'était pas une excuse finalement, c'était vrai, ça m'avait vraiment écœuré. Voilà l'équipe, allez, ciao. Vous avez prévenu ça. Oui, bah j'avais dit. Merci Marouane pour ton petit message. On l'a vu. Il coupait le zap. Dis donc. On n'a pas la fin du zap. On n'a pas écouté Jonathan qui a gagné les 1 500 euros. Et ben Jonathan, malheureusement, comme on n'a pas pu t'écouter, on va garder. Tant pis, on retire le chèque, c'est fini. Non, Jonathan, il a gagné. Bravo Jonathan, salut. Bravo à lui. Jonathan du 33 qui a gagné à Biganos dans le bassin d'Arcachon. Il écoute Skyrock et on embrasse le petit Léandro qui a 5 ans et qui voulait déjà un téléphone. Il a déjà demandé un téléphone en direct à son papa. Bravo Jonathan, bravo Léandro. Et puis on va dire bravo à qui là, tiens. Il y a la PS5 à gagner maintenant. C'est on a fait le tirage au sort et c'est pour Mathieu. Allez, Mathieu qui a été tiré au sort et qu'on appelle en direct. Si Mathieu répond, il repart avec sa PS5. Allô. Déjà là, Mathieu, bravo. La main sur le téléphone. Ça rapide. Je vous écoute. Ah, tu la veux ta PS5, hein, Mathieu. Ah ouais, depuis le temps que j'attends. Eh ben, elle est pour toi, Mathieu. PS5, quand on est à la maison. Super. Bravo. T'as bien fait de te réveiller bientôt avec nous. Bah bravo, c'est toi qui as géré ce matin. Ah, je vais faire des jaloux là. Et oui, t'habites où, Mathieu? J'habite dans le 38, vers Vienne. En Isère, et on t'écoutait dans le Zap. C'est toi qui fais l'amour 6 fois par semaine, hein, c'est ça? C'est ça. Je me rappelle de toi, Mathieu. Eh ben, bravo, Mathieu, une PS5. Le cas pour le 7ème jour. Tu peux faire une dédicace, l'équipe? Tu sais, pour le jour où tu fais pas l'amour, hop, la PS5, et hop. Tranquille. Ouais, bah là, du coup, je vais diminuer, je pense. C'est possible. Que ça jouer. Allez, petite dédicace, vas-y, Mathieu. Grosse dédicace à mon collègue Gérald qui est en train de nous écouter et mon frère Benjamin qui est sur son chantier. Eh bien, salut le collègue, salut la famille. Oui. Des gros bisous, Mathieu. Et puis. Allez, merci l'équipe. Et puis une bise à ta chérie, c'est un peu grâce à elle que t'as gagné ce matin. C'est vrai, c'est grâce à elle, je vais l'appeler tout de suite là. Bravo Mathieu, bonne journée à toi. Allez, merci, bonne journée. Des bisous, salut, belle journée à vous. On revient demain matin pour le morning dès 6h, on se réveille ensemble jusqu'à 9h15. Et puis ce soir dans la radio libre, on sera là, enfin je dis 9h15, il est 9h23, il est donc largement l'heure de retrouver. Oui. Le grand, le beau Fredo. Le gros. Hello. Qui a dit grand? Oh, le vilain Karim. C'est quoi cette attaque? Oh, l'enfoiré Guigui. Espèce de grand dadev. Et en plus, il assume pas Karim. C'est hallucinant ça. Espèce de grand dadev. C'est un grand dadev. Moi, je me serais pas permis. Moi, j'ai trop de respect, moi. Dadev. Ouais. Voilà. Bon. On va régler ça, t'inquiète pas, c'est parce que là vous êtes à quelques kilomètres, mais on va régler ça très vite. Je vais m'occuper de retour rue Greneta dans les studios de Skyrock avec toi Fred jusqu'à midi. Le son de Skyrock toute la journée, ce soir à 20h, ne le loupez pas, il est en forme en plus. Hein. Il est très en forme. Ah, très très en forme, c'est Vald. VALD qui débarque avec son nouveau projet qui fait un gros carton. On va pouvoir écouter plein d'extraits de l'album en plus puisqu'il est sorti c'est vendredi. Vrai. Et freestyle inédit avec son label, Echelon aussi, les artistes de son label à découvrir dès ce soir. Eh bien tu lui feras une grosse bise de toute l'équipe à Vald. Ça roule. On le retrouve ce soir 20h-21h pour Planète Rap, rendez-vous à ne pas louper comme tous les soirs et 21h la radio libre. Demain matin le morning et passez une belle journée sur Skyrock. Bisous mon Fredo. Ciao ciao. Salut. Salut à toutes. Et à tout à l'heure. Ciao. Tous les matins, c'est le morning de Default sur Skyrock.